Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu du mardi 13 juillet 2021. Mon nom est Alain Laplante, maire de la municipalité. Donc, je déclare donc cette séance ordinaire ouverte. Nous sommes rendus au point 1, ouverture de la séance. 1.1, tenue de la présente séance. Ça peut être un conseiller qui peut la lire. Première résolution. Je propose que la présente séance soit tenue en présence de 23 personnes maximum en respect des mesures sanitaires en vigueur et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen, leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, comme le téléphone ou la vidéoconférence. Merci, Mme Marcoux. Appuyant. Je vais appuyer Marco Savard. Marco Savard, donc merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité, donc ça permet à 4 élus ce soir d'assister en vidéoconférence via Zoom. Donc, nous avons Michel Gendron, Jean Fontaine, François Auger et Marilyn Charbonneau qui sont avec nous en mode virtuel. Et M. Langlois est absent. Donc, voilà, nous sommes rendus maintenant au point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposant? On a une proposition. Je peux en faire la proposition de l'adopter telle quelle en ajoutant les points 11.2. S'intitule « Résolution pour la mise en place d'une signalisation pour l'interdiction du virage en U à l'intersection des rues France et Masson ». Ajout d'un autre point, l'item 14.7.2, qui est intitulé « PPCMOI 2021-4570 pour les lots 3 085 876 877 878, 3 271 002, 3 271 052 et 5 820 865 situés sur la rue Claude, le chemin du Grand Bernier Nord et la rue des Carrières. Et également retirer l'item 15.1. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Est-ce que Monsieur Justin Bessette appuie? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 4, retour sur la période de questions de la dernière séance et aussi des dernières séances. Donc, j'ai quelques réponses pour vous ce soir. Premièrement, une réponse relativement au... je vais commencer par la première. Donc, le 21 septembre dernier, Mme Brigitte Létourneau nous avait posé une question relativement... elle nous proposait de mettre en place un comité pour les utilisateurs du vélo. Et puis, comme vous savez, la municipalité a tenu le 16 juin dernier une consultation où la Ville a présenté son plan directeur du réseau cyclable et a présenté ce qui a été fait dans les dernières années, ce qu'on nous projetons faire dans les prochaines. Nous avons recueilli beaucoup de commentaires et la municipalité poursuit la consultation encore jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions relativement à notre réseau cyclable, veuillez, s'il vous plaît, nous en faire part. Des communiqués qui ont été envoyés dans les médias, vous allez aussi trouver l'information sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Et donc, par la suite donc, de cette consultation-là, il y aura un bilan de la consultation qui sera soumis aux membres du Conseil. On vous reviendra à ce moment-là. Le 10 septembre 2020, Diane Marchessault nous avait posé une question relativement à notre règlement sur le bruit. Mme Marchessault nous proposait ou suggérait au Conseil de se doter d'une réglementation efficace au niveau des bruits provenant, entre autres, du chantier. Et on a de nombreuses questions qui vont suivre qui sont relatives au bruit. Donc, comme je vous l'avais dit à la dernière séance, le conseil municipal a sollicité un avis juridique relativement à notre règlement sur le bruit dans l'objectif justement de pouvoir l'améliorer. Et voici ce que le conseil a décidé pas plus tard que tantôt lors du comité plénier. Donc, premièrement, le conseil municipal va mandater un consultant pour effectuer des expertises sur l'ensemble du territoire, des expertises sur le bruit afin de bien faire un état de situation. Donc, cette expertise-là sera réalisée au cours du mois d'octobre, du 1er octobre, dans le fond, jusqu'à la fin décembre, jusqu'à la fin de l'année. Et puis, par la suite, le consultant nous remettra un rapport.
Et une séance de consultation sera tenue auprès de l'ensemble des citoyens du secteur au mois de février prochain. Donc, expertise en octobre et en décembre, octobre, novembre, décembre, consultation en février 2022 et adoption d'un premier projet de règlement et avis de motion en mars 2022 et donc adoption du règlement à la séance suivante. Donc, vous comprenez que cette décision-là quant à l'amélioration ou la modification de notre règlement sur le bruit va être remise au prochain conseil municipal. Donc, voilà pour votre question, Mme Marchessault. Mme Marchessault nous avait également posé une question le 10 décembre 2020, où elle nous disait que l'École de technologie supérieure avait produit un guide à l'intention des municipalités, justement, pour améliorer la gestion du bruit. Donc, tout ça va être considéré en même temps. Mme Letourneau, le 22 février, nous avait également posé une question, à savoir qu'est-ce que la Ville entendait faire à court terme pour permettre aux résidents une meilleure qualité de vie. Donc, voilà. Évidemment, il y a toujours les négociations qui ont lieu en parallèle entre la municipalité et le Carrière Bernier pour relativement au club de tir. Madame, le 23 avril 2021, Brigitte Letourneau nous avait posé une question à savoir est-ce que la Ville peut nous donner l'origine du concept ainsi que les raisons qui ont favorisé l'adoption du modèle de compensation plutôt qu'on fait référence à l'entente justement signée avec Carrière Bernier, où on venait créer une banque virtuelle de terrain qui permettait de faire des compensations lorsque venait le temps de remettre des terrains à la Ville dans le cadre du 15% exigible là, pour des droits de parc ou environnementaux. Donc, on est toujours en attente de cette réponse-là. Donc, aussitôt qu'on sait d'où vient l'idée originale, est-ce qu'on a pris ça dans une autre municipalité ou on l'a imaginé à l'interne? Donc, aussitôt qu'on a quelqu'un qui a la réponse, on vous répond. Madame Letourneau. Monsieur Normand Gagnon, le 26 avril 2021, nous avait également posé une question relativement au bruit. Notre réglementation sur le bruit actuellement interdit de faire du bruit, de tondre le gazon, par exemple, après 17 heures la fin de semaine, samedi, dimanche. Donc, M. Gagnon nous demandait de permettre de pouvoir tondre notre gazon jusqu'à 19 heures la fin de semaine. Donc, évidemment, on ne traitera pas, on va modifier le règlement tout en même temps. Donc, cette question-là va être aussi considérée en même temps que tout le reste. Le 22 juin dernier, Diane Marchessault nous avait posé la question suivante. Considérant que, dans le passé, la Ville a émis au club de tir de l'Acadie plusieurs contraventions en vertu de son règlement sur le bruit des champs de tir, est-ce que ces contraventions ont été payées par le club de tir de l'Acadie? Donc voilà, Madame Marchessault, les contributions n'ont pas été payées puisque le club de tir de l'Acadie a plaidé non coupable. Une audition est prévue en septembre 2021. Madame Bouchard, le 22 juin dernier, nous avait posé la question suivante. Le conseil municipal ne devrait-il pas faire un amendement le plus tôt possible du règlement s'intitulant « Dispositions relatives à la superficie d'espace vert ». Donc voilà, Madame Bouchard, réponse à votre question. Notre service de l'urbanisme avait déjà le projet d'analyser les normes en vigueur afin de vérifier la pertinence de la modifier. Cependant, de façon préliminaire, nous constatons que cette disposition n'est pas problématique et le fait de réduire le pourcentage viendrait à l'encontre des objectifs mentionnés à la stratégie de développement durable. Donc, nous analyserons au cours des prochaines semaines la mise en place d'assouplissements qui pourraient nécessiter d'autres aménagements pour compenser la réduction du pourcentage de verdure sur les terrains. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons maintenant un nouveau règlement depuis 2018 qui vient obliger tous ceux qui développent des projets sur notre territoire de conserver un certain pourcentage d'espace vert. Donc, on comprend que si on a des terrains où on vient asphalter mur à mur 100 % du terrain,
non seulement on vient créer des îlots de chaleur, et ça complexifie aussi la gestion des eaux. Donc, lorsqu'il pleut, bien, l'eau tombe sur l'asphalte et doit ensuite être canalisée. Donc, on promouvoit aussi de plus en plus, avec notre stratégie de développement durable, des stationnements, une gestion écologique des eaux. C'est dans cet esprit-là que le règlement a été adopté à l'unanimité par tous les membres du Conseil en 2018. Donc, dans l'intervalle, Mme Bouchard et tous les industriels, tous ceux qui auraient des contraintes par rapport à cette réglementation-là, peuvent demander une dérogation à la norme en vigueur. La demande peut être déposée à notre service d'urbanisme. Elle va être considérée en fonction des circonstances. Donc, si quelqu'un se retrouvait dans une situation particulière où c'était impossible d'appliquer cette réglementation-là. Donc, le Conseil est ouvert via notre service de l'urbanisme, le CCU, d'analyser les demandes qui pourraient être présentées. Donc, voilà, pour ce qui est de votre réponse. C'est la dernière question, donc le dernier suivi aux questions des dernières séances. Nous sommes maintenant rendus au point 5.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 22 juin 2021. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer, monsieur le maire. Bon. 5.1, que je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 juin 2021 soit adopté tel que soumis. Appuyeur? J'appuie. Madame Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.1.1, le contrat SA 1268 AD 21I, pour la fourniture de livraison et installation d'une unité de storage NIMBLE. Proposeur? Monsieur le maire, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit ITI Inc., le contrat de fourniture, la livraison, l'installation d'une unité de storage NIMBLE pour un montant total de 59 112,79 taxes incluses. Appuyant. J'appuie. Madame Claire Charbonneau, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.2, nomination du mandat des membres du comité sur les demandes de démolition. Proposeur. On a un proposant? J'attends que ça rouvre, M. le maire. 6.2, l'Internet est très long. Là. On devrait vérifier parce que ça prend quand même presque 30 secondes d'ouvrir nos affaires. Ce serait important qu'on vérifie. Peut-être, essayez de les ouvrir d'avance. Ouais. Quand vous prévoyez les lire, peut-être si vous les ouvrez une minute d'avance, on va sauver ce petit délai-là. Ouais. Mais oui, il faudrait surveiller, revérifier encore notre réseau informatique. Okay, M. le maire, je vais proposer à ce moment-là. 6.2, oui. Que soient nominées les personnes suivantes pour agir à titre de membre du comité sous la demande de démolition de la ville. M. Yvan Berthelot, en remplacement de Mme Claire Charbonneau, qui a annoncé sa démission. M. Alain Laplante, en remplacement de Mme Marilyn Charbonneau, qui a annoncé sa démission. Que Mme la conseillère Christiane Marcoux demeure la présidente de ce comité. Appuyeur. J'appuie Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, 6.3, demande de commandite autorisée pour le fonds Claude Raymond et participation au 50e Omnium de golf. Je propose d'autoriser une commandite de 1 000 à l'organisme Fonds Claude Raymond Inc. afin d'organiser le 50e Omnium de golf qui se tiendra le 2 septembre 2021, d'autoriser l'achat d'un quatuor au montant de 1 200, d'autoriser la participation de Mme la conseillère Mélanie Dufresne, M. les conseillers Yann Langlois, Marco Savard à cet événement, d'autoriser la trésorière à défrayer les frais afférents à la commandite et à l'achat du quatuor. Appuyé par Patricia Poisson, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.4, aide financière pour le club Celtics du Haut-Richelieu. Oui, M. le maire. Alors, je propose d'autoriser une aide financière d'un montant de 500 $ au club Celtics du Haut-Richelieu afin d'organiser la réception de la formation de l'équipe U23 du FC Montréal en match hors concours contre l'équipe de soccer masculine senior semi-pro du club Celtic Haut-Richelieu. Appuyant. J'appuie. La Charbonne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7, finances municipales, 7.1, rectification des listes des comptes à payer et d'opérations bancaires. Oui, M. le maire, je propose que soit par la présidente ratifier les paiements énumérés sur les listes suivantes au montant indiqué, à savoir la liste
2021-23 au montant de 2 455 471,09 $. La liste 2021-24 au montant total de 2 426 634,23 $. La liste 2021-25 au montant total de 2 132 647,79 $. Appuyant. J'appuie Mélanie Dufresne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.2, mandat pour l'achat de produits chimiques utilisés en vue d'un traitement des eaux. Alors, Monsieur le maire, je propose que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI-2022-2024 mis en place par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, et visant l'achat de sulfate d'aluminium nécessaire aux activités de l'organisation municipale. Appuyant. J'appuie. Christine Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.3, annulation des soldes résiduaires pour l'année 2021. Oui, M. le maire. Je propose que les montants de dépenses et d'emprunts de règlement soient revisés et réduits conformément au tableau joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu approprie les sommes indiquées au tableau, au dit tableau selon leur provenance, et ce, pour tous les règlements ayant cette mention. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposant. Appuyant. J'appuie, Claire Charbonneau. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.4, réduction du montant en refinancement pour l'année 2021. Je propose d'autoriser le transfert de 56 564 du solde disponible du règlement d'emprunt 1326 afin de réduire du même montant certains règlements d'emprunt, et ce, pour l'émission obligation du mois de juin 2021. D'autoriser le transfert de 967 du solde disponible du règlement d'emprunt 1113 afin de réduire du même montant de certains règlements d'emprunt, et ça, pour l'émission obligatoire du mois de juin de décembre 2021. Appuyant. J'appuie Mélanie Dufresne. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.5, participation à un regroupement d'achat. Monsieur le maire, je propose, considérant que la Ville a reçu une proposition de centre d'acquisition gouvernemental CAG pour former en son nom et au nom de plusieurs autres organisations gouvernementales un regroupement d'achat pour l'acquisition et la location d'imprimantes, d'équipements multifonctions et d'équipements de production visant la période débutant vers le 1er juillet 2021 et se terminant vers le 30 novembre 2023, que la Ville confie au Centre d'acquisition gouvernementale CAG le mandat d'acquérir pour son compte des biens et les services visés par la présente acquisition gouvernementale. Appuyant. J'appuie, Christiane Marcoux. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 7.6, intention de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'adopter par règlement un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec. Oui, Monsieur le maire. Je déclare être en conflit d'intérêt parce que j'ai des locataires qui sont là-dessus. Merci, M. Bessette. C'est noté. Merci. Je propose d'adopter et de transmettre à la Société d'habitation du Québec la présente résolution concernant l'intention de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d'adopter par règlement un programme municipal complémentaire au programme Accès Logis Québec et prévoyant l'octroi d'une aide financière ou d'un crédit de taxe pour une période déterminée lors d'une prochaine séance du conseil municipal. J'appuie Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8.1, ressources humaines, adoption d'un nouvel organigramme pour les services de la Ville, le service suivant, le service du greffe, proposeur. Je propose, M. le maire. Okay. Oui, Monsieur Savard. D'accord. D'adopter un nouveau organigramme pour le service du greffier daté du 12 juillet 2021, tel que montré à l'annexe 1 de la présente résolution. Appuyé par Christiane Marcoux, est-ce que quelqu'un demande le vote? De prendre l'acte de déplacement du caissier réceptionniste sur la responsabilité du greffier de la Cour à cet organigramme, que cette modification soit effectivement comptée du 15 juillet 2021. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 8.1.2, service des infrastructures et gestion des eaux. Je propose d'adopter un nouvel organigramme pour le service des infrastructures et gestion des eaux, daté du 13 juillet 2021, tel que montré à l'annexe 1 de la présente résolution, de prendre acte de la modification suivante à cet organigramme. Ajout temporaire d'un poste supplémentaire d'ingénieur de projet pour les périodes du 12 au 31 juillet 2021 et du 16 janvier au 31 mars 2022. Que ces modifications soient effectives à compter du 13 juillet 2021. Appuyant. Je vais appuyer. Marco Savard, quelqu'un demande le vote?
Adopté à l'unanimité. 8.2, embauche temporaire au poste de régisseur famille jeunesse au service de la culture, du développement social et du loisir. Je propose d'autoriser l'embauche temporaire de Mme Audrey Barcelou au poste de régisseur famille jeunesse au service de la culture, du développement social et du loisir, et ce, pour une période du 2 août 2021 jusqu'au 26 août 2022, que les conditions de travail de Mme Barcelou soient prévues selon le protocole des conditions de travail des employés cadres, cadres équité, et qu'elles soient assujetties à une période de probation de 6 mois. J'appuie. Patrice Poisson. Monsieur Justin Bessette appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9, culture, développement social et loisirs. 9.1, acceptation de dons de 2 œuvres d'art. Oui, je propose d'autoriser à la Ville à accepter l'offre de don de Mme Louise Berger pour 2 œuvres réalisées par M. Réal Dumais, telles que décrites en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyé par? J'appuie. M. Justin Bessette, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9.2, une excellente nouvelle, signature d'un protocole d'entente relativement à un partenariat pour l'accès à un terrain de golf dans le but d'offrir des activités hivernales. Proposeur. Je propose d'autoriser la signature d'un protocole d'entente d'une durée d'une année entre la Ville et le club de golf de Saint-Jean relative aux différents services offerts par ce dernier dans le but d'offrir des activités publiques hivernales, que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de consigne soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l'exécution de la présente résolution. J'appuie, Mélanie Dufresne. Mélanie Dufresne appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9.3, autorisation pour la bonification de la programmation événementielle estivale. Pas tout en même temps. Ça tourne. Ça tourne, ça ouvre. Alors, je propose que le directeur, la directrice adjointe du service de la culture, du développement social soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu les ententes découlant des projets de programmation événementielle. Appuyant. J'appuie. Monsieur Yvan Berthelot, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9.4, autorisation de diverses pour la tenue de l'événement Défi planche à pagaie. Je propose. Justin, d'autoriser la tenue de l'événement Défi planche à pagaie le dimanche 15 août 2021 au parc de Courcelles, ainsi qu'une dérogation de bruit le jour de l'événement entre 6h et 14h. D'autoriser la vente de produits par la Fondation Santé au Richelieu-Rouville le jour de l'événement. D'autoriser la réservation d'espaces de stationnement au pavillon Gérard Morin pour les participants à l'activité le jour de l'événement entre 6h et 14h. D'autoriser le prêt de matériel et le soutien logistique à la réalisation de cet événement en fonction des disponibilités de la Ville. Appuyant. J'appuie, Yvan Berthelot. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9.5, acceptation du don de l'œuvre Illumination abstraite de l'artiste Édith Généreux. Oui, M. le maire, je propose d'accepter le don de l'œuvre de Mme Édith Généreux intitulée Illumination abstraite, que le greffier, la greffière adjointe ainsi que l'avocat conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu la convention de don avec l'artiste Édith Généreux, jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser le service des finances à émettre un reçu fiscal pour le don d'œuvres d'art au nom d'Édith Généreux. Appuyant. J'appuie, Patrice Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9.6, acquisition du lot 3 091 120 du Canada du Québec, soit le monument hommage aux patriotes. Je propose. Oui, M. le maire, je propose d'autoriser l'acquisition du lot 3 091 120 du Canada du Québec ainsi que du monument hommage aux patriotes qui est situé, et ce, à ce titre gratuit. Appuyé par M. Justin Bessette. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9.7, octroi de subvention à la Légion royale canadienne. Alors, M. le maire, je propose que soit accordé l'octroi de subvention à la Légion royale canadienne, et ce, pour un montant de 25 000 $ maximum, pour couvrir les coûts de la réparation et ou le remplacement des oriflammes abîmés sur présentation de factures pour les années 2020 et 2021. Appuyant. J'appuie. Claire Charbonneau. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 9.8, signature d'un bail pour l'utilisation du 870 rue Curé-Saint-Georges. Oui, je propose d'autoriser la signature du bail avec Justice alternative du Haut-Richelieu pour l'utilisation du 870 rue Curé-Saint-Georges, et ce,
pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026 pour un montant annuel de 17 636,26 incluant les taxes applicables. J'appuie Justin. Justin Bessette appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10. Infrastructure et gestion des eaux. 10.1. Octroie des contrats suivants. 10.1.1. Le contrat SA437IN21P. Proposeur. Je déclare être en conflit d'intérêts puisque je possède des terrains sur le chemin des Patriotes qui seront desservis par ces terrains-là. Merci. C'est pris en note, M. Bessette. Je suis comme fou les conflits d'intérêts parce que je me suis remarqué que des fois, c'est marqué absent quand que je déclare être en conflit. Il faudrait juste l'appliquer comme faux. Donc, proposeur. J'aimerais le proposer, mais je ne peux, pas ouvrir mon ordinateur, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre propose? Ça s'en vient. OK. Monsieur que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe Mécano Inc., le contrat pour les travaux de remplacement des lamelles de décanteur. Non, on est rendu au 10.1.1. Oui, c'est pas le bon. OK. Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit FNX Innov Inc., le contrat pour les services professionnels de confection de plans et devis relativement au prolongement d'Aqueduc pour le chemin des Patriotes S, les rues Tessier, le Duc d'Agenais-Mario, de Contrecoeur, Denis Douli, Hector Joyce, de la Norade, d'Azimar et le rang des 50. Pour un montant total de 302 655 et deux taxes incluses. Appuyeur. J'appuie Michel. Michel Gendron appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je vais, moi, demander le vote sur cette résolution-là. Madame Dufresne, la parole est à vous. Moi, je pense que c'est essentiel. L'eau, c'est essentiel. Il faut obtenir une eau dans ces secteurs-là. Donc, il faut travailler en amont dans ce projet-là. Donc, voilà pourquoi j'ai proposé cette résolution. Merci, Mme Dufresne. Donc, c'est moi qui ai demandé le vote. Oui, Mme Dufresne a raison. L'eau, c'est essentiel. Savez-vous quoi? Les égouts également sont essentiels. Et la raison pour laquelle je vote contre, c'est qu'on aurait pu consulter les citoyens du chemin des Patriotes. Ce n'est pas juste le chemin des Patriotes. Là, c'est toutes les rues qu'on a nommées, la rue Tessier, le Duc, d'Agenais, Mario, Contrecoeur, Denis Daudy, Hector, Joyce, de Lanoraille, d'Assilmar, Rang des 54. Tous ces gens recevront une facture qui va varier entre 400 et 500 $, soit 14 $21 du mètre linéaire. Donc, tout dépendamment de la grandeur de leur terrain, les gens vont recevoir une facture. Pourquoi? Pour confectionner des plans et devis pour amener uniquement, non pas l'aqueduc, mais uniquement l'eau là-bas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce secteur-là, il y a 479 maisons. Et puis, les gens ont été consultés, tous ces gens-là ont été consultés en 2012. Et à l'époque, lorsqu'on avait consulté les gens en 2012, on n'avait pas fait de plan, on avait juste donné un prix budgétaire et le prix était évalué à 397 $. Donc, en résumé, si on veut faire un chiffron, le coût coûtait 400 $ du mètre. Donc, on a consulté les gens, savoir s'ils voulaient payer cette facture-là et 65 % des gens ont voté contre, trouvaient que c'était trop cher. Et là, actuellement, on vient toujours de faire un projet similaire là, sur l'avenue des Pins à Saint-Luc. On vient d'aller en soumission, un projet tout à fait similaire. Et les prix sont sortis à 698 $ du mètre. Donc, si j'arrondis, c'est 700. Donc, en 2012, ça coûtait 400 $ du mètre. Aujourd'hui, ça coûte 700 $ du mètre. Donc là, on va consulter les gens, savoir si ils sont intéressés à payer la facture. Et s'ils disent non, ben ils n'auront pas d'eau. S'ils disent oui, ils auront l'eau. Mais peu importe ce qu'ils disent oui ou qu'ils disent non, ils vont recevoir une facture de 400-500 $. Donc, c'est pour cette raison-là. Moi, je pense qu'on aurait pu, dans un premier temps, consulter les gens sur cette base-là avant de dépenser 300 000 $. Et 300 000 $, pas aux frais de la ville, mais aux frais des citoyens. Tantôt, 10.1.5, on va voter un autre contrat, un mandat de, non pas de 300 000, mais de 60 000 pour faire des plans pour revoir la capacité de pompage du poste du chemin des Patriotes. Mais ce 60 000 $-là ne sera pas assumé par les gens de ce secteur-là, mais il va être assumé par l'ensemble des citoyens de la municipalité. Donc voilà, c'est pas que je suis contre l'eau, au contraire. Moi, je pense qu'on a besoin de l'eau là, puis on a besoin même des égouts. Donc je vais voter contre cette dépense-là de 300 000 $, parce qu'on vient mettre finalement la charrue devant les bœufs.
Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Ben oui, moi, de toute évidence, je vais m'exprimer en faveur. D'abord, il faut comprendre que ça coûte drôlement plus cher pour être capable d'avoir les services d'aqueduc et en plus, si on veut ajouter les infras pour les égouts, ben là, on triple à peu près le montant demandé dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut comprendre que les services d'égouts, nous autres à la Ville, on a un programme d'aide aux citoyens, là, justement pour être capable d'avoir une espèce d'étude de leur terrain pour savoir qu'est-ce que ça prend comme système bioness ou de champ d'épuration. On va donner jusqu'à 700 $ pour cette étude-là, qui est faite par maison, que la Ville va subventionner. Autre chose, c'est la Ville est capable d'aider aux gens à subvenir à ce montant-là, parce que ça peut coûter à peu près 20 à 25 000 pour avoir un nouveau champ d'épuration qui dure une quinzaine d'années. La Ville le subventionne, pas le subventionne, mais le pour vous aider à payer, en réalité, là, présentement, le taux il est en bas de 2 %. Donc, vous n'avez pas besoin de l'ajouter sur votre hypothèque. Donc, si les gens veulent absolument avoir les infras, bien, c'est sûr que l'aqueduc, ça se fait rapidement. C'est la possibilité de faire rapidement. Il n'y a aucun avantage pour l'instant d'aller chercher les infrastructures pour avoir les égouts. Pourquoi? Parce que, justement, vous êtes épaulé, ça va vous coûter drôlement moins cher avec votre système actuel ou votre système bioness éventuellement à changer. D'autant plus qu'on subventionne à la ville. Dans une période échelonnée, là, c'est beaucoup plus important. Deux, l'eau. Bien, l'eau, c'est essentiel dans la vie. On est de la 11e plus grande ville au Québec. C'est essentiel d'avoir de l'eau, puis c'est justement pratique. Les gens vont avoir beaucoup moins de frais là, pour acheter là, des purificateurs, puis des assouplisseurs, puis des ça là, qui finissent plus. D'autant plus que ça magane les électroménagers. C'est bien entendu, là, je suis surpris, puis je ne suis pas surpris hein, de savoir que ça va coûter plus cher. Puis, savez-vous quoi? Moi, je vous le dis, là, si le dossier n'est pas réglé encore, dans 10 ans, les gens vont revenir encore une fois pour dire qu'ils veulent avoir de l'eau. Puis, savez-vous quoi? Dans 10 ans, ça va coûter encore plus cher que ça va coûter en 2021. Fait que là, on ne s'en sortira jamais. Puis, les maisons coûtent plus cher, puis à chaque année, ça coûte de plus en plus cher. Fait qu'à un moment donné, là, il faut arrêter d'en parler. Hein? Fait longtemps qu'on en parle, les gens en parlent depuis la fusion. C'est sûr qu'il y a eu énormément de changements depuis 2012. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de maisons qui se sont vendues. Il y a eu quelques constructions. Il y a beaucoup de jeunes familles et ils veulent de l'eau. Et en bout de ligne, là, savez-vous quoi? C'est que les gens vont pouvoir décider s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. Donc, on va crever l'abcès, là. On y va jusqu'au bout. On va faire une vraie étude. On va savoir les vrais besoins. On va connaître qui a de la bonne eau, qui n'en a pas de la bonne eau. Puis éventuellement, bien, on va pouvoir les aider. Et il y a 13 % qui est payé par la Ville dans tout ça, que le conseil a accepté de payer. Donc, pour toutes ces bonnes raisons-là, là, je ne vois aucunement pourquoi qu'on culerait sur ce projet-là, d'autant plus que c'est une demande, c'est de l'eau, et qu'on a des services pour combler le système des coûts. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est sûr, je vote pour. Merci, M. Gendron. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Oui, M. le maire, Marilyn. La dernière fois, moi, ce que j'avais compris, c'est que les citoyens avaient été consultés. Quand je dis consultés, c'est pas informés. Par exemple, dans mon district, on a refait la rue du village boisé. Comme M. Gendron, M. le maire l'ont dit, on connaît à peu près l'estimé de ce que ça pourrait coûter au mètre linéaire. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une lettre avec un estimé des coûts. On a transmis ça aux citoyens. Et à ce moment-là, les citoyens se sont prononcés pour dire « Oui, on veut aller de l'avant parce que l'estimé, on est prête à l'assumer ». Puis, en même temps, mais on donne le go pour faire l'évaluation, bien, faire les plans et devis. Ça veut dire que là, les citoyens
Ils s'attendent à recevoir la facture de 500 $ qui est inclue dans le prix. Ils sont au courant, puis ils ont pris la décision. En fait, moi, je veux pas qu'on parte là avec « vous êtes contre l'eau », ça n'a rien à voir. Je suis pour l'eau qui se rende là, je suis pour que les citoyens choisissent. Ce que j'aime pas, en fait, c'est qu'on les consulte pas en amont avec le processus d'une évaluation du prix posté à leur maison qui dit « OK, on va de l'avant », puis là, on la règle, la question. T'sais, c'est pas en pesant les plans et devis qu'on va plus la régler, parce qu'après avoir fait les plans et devis, on va renvoyer une lettre là, avec les coûts. Puis là, si c'est trop cher, ben là, on va avoir tout fait ça. Les citoyens, s'ils ne sont pas d'accord, mais ils vont quand même recevoir 500$ dans leur boîte aux lettres. C'est ça qui me dérange, en fait. Moi, je suis pour le processus, je suis pour le 13%, je suis pour l'évaluation des stations de pompage, je suis pour tout ça. Mais je veux juste qu'on fasse le processus dans l'ordre. Pourquoi? Parce que les citoyens, c'est pas mal... La seule chose qu'ils peuvent contrôler, c'est s'ils sont d'accord ou pas à recevoir un chèque avec un montant de plus chez eux. Puis après ça, ben il y a tout ce que M. Gendron il a dit, les subventions, l'appui, mettre sur le compte de taxes, le bien-être, etc. Tout ça existe, va rester, puis les citoyens vont pouvoir prendre la décision. En fait, c'est que moi, j'avais mal compris, j'avais pris pour acquis qu'on avait consulté les citoyens, puis que c'était, on avait un OK. Puis ce que j'ai compris, c'est que cette étape-là, elle n'a pas été faite. Puis après ça, on s'est fait expliquer que oui, les coûts des égouts, c'est beaucoup plus haut que ce que je pensais, en fait, même. Mais à ce moment-là, les citoyens, ils peuvent choisir pour un ou l'autre, puis justement dire, bon, ben là, on va se faire un plan pour refaire notre station, notre puits d'épuration, etc., notre station d'épuration. Fait que voilà, c'est simplement pour ça. Que je vote contre cette résolution-là. Merci, Marilyn. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Personne. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Personne. Mot de la fin, Mélanie? Ben, en fait, ça fait combien de temps qu'on parle de ce dossier-là ici? Ça fait 2 ans? Ça fait 3 ans? Non, il me semble que c'était un enjeu en 2017. La dernière campagne électorale, M. Gendron, peut-être vous allez pouvoir le dire, c'est pas mon district. Il me semble que c'est un enjeu aussi en 2013. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai des noms qui me reviennent, que ça fait longtemps qu'on parle de ce dossier-là. Là, est-ce qu'on a suivi le processus dans l'ordre ou pas? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est que c'est un besoin viscéral. L'eau de pluie n'est pas potable dans ces secteurs-là. Il faut faire de quoi? Maintenant, si on recule encore devant cette résolution-là, combien de temps encore on va faire des processus et des... Moi, je pense que ils ont l'alternative de l'échelonner sur leur compte de taxes. Je pense que c'est capable, ça peut être un prix raisonnable aussi. Tout ça... pour avoir de l'eau potable. Donc, je suis pour cette résolution-là. Merci, M. Le Greffier. On passe au vote. Merci. Alors, Mme Dufresne. Pour. M. Gendron. Pour. M. Fontaine. Pour. M. Auger. Pour. Mme Poisson. Pour. Mme Marcoux. Pour. M. Savard. Pour. M. Berthelot. Pour. Mme Claire Charbonneau. Pour. Mme Marilyn Charbonneau. Et M. le maire? Contre. Alors, 9 pour, 2 contre. Merci. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. Nous sommes rendus maintenant au point 10.1.2, le contrat SA454-IN21P. Oui, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit le groupe Mécano Inc., le contrat pour les travaux de remplacement des lamelles d'un décanteur à la station d'épuration pour un montant total de 457 234,88 taxes incluses. Propose appuyeur. J'appuie. Monsieur Marco Savard, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.1.3, le contrat SA457-IN21P. Oui, M. le maire. Je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Englobe Corporation, le contrat pour les services professionnels pour les études géotechniques relativement aux travaux de pavage pour l'année 2022,
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, au coût unitaire et forfaitaire inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres SA-457-IN-21P et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de chantier pour un montant global estimé à 95 141,81 $ taxes incluses. Que les sommes requises à cette fin soient prises à même les disponibilités de l'emprunt décrété par le règlement numéro 1977 et que la présente résolution soit conditionnelle à l'approbation de ce règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et que ce projet soit financé par la taxe spéciale infrastructure de l'année 2021 et ou par le surplus affecté taxe spéciale infrastructure si nécessaire. Appuyeur. J'appuie. Christiane Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.1.4, le contrat SA-458-IN-21I. Alors, M. le maire, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Petro Hi-Tech ERCD Industrie Inc., le contrat pour les travaux de remplacement du réservoir diesel à la station d'épuration. Le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres SA-458-IN-21-I pour un montant total de 69 298,88 $, taxes incluses. Que cette dépense soit payable au moyen d'un emprunt de 69 298,88 $, taxes incluses, au fonds de roulement de la municipalité. Cet emprunt étant remboursable en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Appuyeur. J'appuie, Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.1.5, le contrat SA-464-IN-21G. Oui, je propose que soit accordé à GBI Expert Conseil Inc. le contrat relatif aux services professionnels pour la confection de plans et devis relativement à l'augmentation de la capacité de pompage du poste CDP pour un montant total de 60 476,85 $, taxes incluses. CDP pour Chemin des Patriotes. Appuyant. J'appuie, Yves Bertolon. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.2, rejet des soumissions reçues à l'égard de l'appel d'offres suivant, 10.2.1, le contrat SA-455-IN-21P. Oui, M. le maire, je propose que soient rejetées les soumissions reçues en réponse de l'appel d'offres SA-455-IN-21P relatif aux travaux de remplacement de la mécanique de procédé au poste de pompage Gouin. Que le service des infrastructures et gestion des eaux soit autorisé à reviser et à relancer le processus d'appel d'offres. Appuyeur. J'appuie. Madame Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.3, acquisition des lots 6 178 972, 973, 974 et 975 du Canada du Québec et appartenant au gouvernement fédéral. Oui, M. le maire, je propose, si vous permettez, je propose de procéder à l'acquisition de 4 lots suivants appartenant au gouvernement du Canada. Le lot 6 118 972 du Canada du Québec, le lot 6 118 973 du Canada du Québec, le lot 6 118 974 du Canada du Québec, le 6 618 975 du Canada du Québec, d'autoriser le greffier et la greffière adjointe ainsi que l'avocat conseil à compléter les démarches nécessaires auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'obtention d'une autorisation du secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour la signature d'un acte de servitude nécessaire pour la régulariser la présente infrastructure en place. Appuyeur. J'appuie, Yvan Bertolo. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.4, signature d'un permis d'occupation d'une partie du lot 4 186 712 du Canada du Québec. Oui, Monsieur le maire. Donc, je propose d'autoriser la signature d'un permis d'occupation d'une parcelle de terrain en front sur le 3e rang sud, étant actuellement la propriété du ministère des Transports du Québec. Que le greffier, la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l'exécution de la présente résolution. Donc, c'est relié au projet de la Gabière. Appuyant. J'appuie, Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.5, acquisition d'une partie du lot 4 186 712 du Québec, situé sur le 3e rang sud. C'est le même terrain, dans le fond?
Je propose d'autoriser l'acquisition d'une partie du lot 4,186,712 d'une superficie de 4,447,8 m² du cadastre du Québec constituant une partie de la surlargeur d'entreprise du troisième rang sud appartenant au ministère des Transports du Québec pour une somme de 61 300 $, en plus des taxes applicables. Que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l'exécution de la présente résolution. Que les honoraires professionnels liés à l'exécution des présentes soient assumés par la ville. Appuyeur. J'appuie, Mélanie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 10.6, signature d'une entente de contribution avec le ministère de la Défense nationale pour la réalisation de travaux de mise à niveau du poste de pompage des eaux usées du Collège militaire royal de Saint-Jean. Alors, monsieur le maire. Alors, Yvan, je propose d'autoriser le greffier, la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil à compléter les démarches nécessaires auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'obtention d'une autorisation du secrétariat du Québec aux relations canadiennes afin de signer l'entente accord de contribution 2 avec le gouvernement du Canada. Qu'une demande soit transmise au gouvernement du Québec en vue d'obtenir l'autorisation de conclure l'entente accord de contribution 2 avec le ministère de la Défense nationale du gouvernement du Canada. Que le greffier, la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu le document intitulé Accord de contribution 2, lequel prévoit les obligations respectives de chacune des parties pour la réalisation des activités nécessaires à la mise à niveau du poste de pompage des eaux usées du Collège militaire royal de Saint-Jean, le CMR. Appuyé par Patricia Poisson, désolé. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 11, toponymie et circulation. 11.1, modification de numéro civique sur le chemin du Petit Bernier. Oui, M. le maire, je propose de modifier les numéros civiques des propriétés suivantes, à savoir 20 chemin du Petit Bernier pour le 32 chemin du Petit Bernier et le 34 chemin du Petit Bernier pour le 52 chemin du Petit Bernier. Appuyé par? J'appuie Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 11.2, un point que nous avons ajouté à l'ordre du jour, qui s'intitule « Résolution pour la mise en place d'une signalisation pour l'interdiction de virage en U à l'intersection des rues France et Masson. » Je propose. Je voudrais, M. le maire, mais je n'ai pas le document. Je n'ai pas le document. Je n'ai pas le document. Tu le lis? Il va ouvrir. 11.2. Non, je n'ai pas ouvert. Je n'ai pas. Quelqu'un d'autre peut le lire? Oui. Alors, je propose que soit installée ou modifiée en conséquence toute signalisation requise afin d'interdire les manœuvres de virage en U sur la rue France en direction nord à l'intersection de la rue Masson. J'appuie. Marco Savard appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Merci. Adopté à l'unanimité. 12, travaux publics. 12.1, octroi des contrats suivants. 12.1.1, le contrat SA 2841-TP-21P. Oui, Monsieur le maire, alors je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit JP Brodeur Construction Incorporée, le contrat pour le réaménagement du vestiaire des pompiers à la caserne 1, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet, au coût forfaitaire inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres SA-2841-TP-21-P, et en fonction des conditions rencontrées en cours de chantier pour un montant global estimé à 248 115 $ et 8 sous, taxes incluses. J'appuie, Patrick. Que les sommes requises à cette fin soient prises à même les disponibilités de l'emprunt décrétées par le règlement numéro 1939. Appuyé par Patricia Poisson, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 12.1.2, le contrat SA 2863-TP-21P. Alors, M. le maire, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit pont élévateur RGD au 90-30-0146 Québec Inc. Le contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation d'équipements de levage, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet ou coût forfaitaire inscrit dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres SA-2863-TP-21-P. Pour un montant total de 180 447 $ et 51 sous, taxes incluses. Que cette dépense soit défrayée selon les modalités de la résolution numéro 2020-09-0644. Appuyant. J'appuie. Christiane Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 12.1.3, le contrat SA 2872-TP-21D. Monsieur le maire, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Frégeau et Fils Incorporé, le contrat pour le branchement d'aqueduc de l'immeuble situé au 160 rue Vanier, le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à ce projet
au coût forfaitaire indiqué sur, dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres SA2872-TP21D pour un montant total de 47 996,31 taxes incluses. Appuyant. J'appuie, Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 12.1.4, le contrat SA2864-TP21G. Oui, je propose que soit accordé à 3104-0355 Québec Inc. Construction Simon Vallière, le contrat relatif aux travaux de réfection diverses à l'édifice municipal Saint-Jacques pour un montant total de 55 188 $ taxes incluses. Appuyant. J'appuie. Christine Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 12.2, résiliation du contrat suivant. 12.2.1, le contrat SA2769-TP20. Oui, M. le maire, je propose que soit résilié le contrat relatif à l'appel d'offres SA-2769-TP20 pour la fourniture et livraison de deux mini-fourgonnettes de type cargo de Mark Ford des modèles Transit Connect XL9-2021. Que le service des travaux publics soit autorisé à reviser et à relancer le processus d'appel d'offres. Appuyant. J'appuie. Christiane Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 13, sécurité publique, 13.1, nomination d'inspecteur aux fins de la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Je propose que les policiers du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu soient nommés afin de remplir les fonctions d'inspecteur et d'exercer les pouvoirs prévus à la loi concernant la lutte contre le tabagisme pour veiller à l'application des chapitres 2 et 3 de la dite loi, à l'exception des milieux de travail des organismes publics. Que les policiers du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu soient autorisés à émettre des constats d'infraction à toute personne qui contrevient aux dispositions des chapitres 2 et 3 de la loi concernant la lutte contre le tabagisme, à l'exception des milieux de travail et des organismes publics. Appuyant. J'appuie, Yvan Berthelot. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 13.2, référencement systématique relativement au soutien aux membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale. Oui, M. le maire, je propose que le directeur du service de police soit autorisé à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu une entente de référencement systématique avec l'éclusier du Haut-Richelieu et le centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville. J'appuie, Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à 14, urbanisme, 14.1, études et décisions relatives à une demande de dérogation mineure, la demande 14.1.1, la DDM 2021-5035. Monsieur le maire, je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure présentée par M. William Sarin à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 317 885, CADAS du Québec, qui est situé au 245 Jacques-Cartier-Sud, que soit autorisé l'agrandissement du bâtiment principal qui empiète de 1,2 m dans la marge minimale prescrite à 10 m, l'aménagement d'une galerie qui empiète de 0,5 m dans l'empiètement maximal autorisé dans la marge avant minimale prescrite, l'aménagement d'un avant-toit qui empiète de 0,5 m dans l'empiètement maximal autorisé dans la marge avant minimale prescrite, le tout apparaissant au plan numéro DDM 2021-503501 à DDM 2021-503505 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquelles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyant. J'appuie, Mélanie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.2, études et décisions relatives à des demandes d'usage conditionnel. 14.2.1, la demande UC 2021-5033. M. le maire, je propose que soit acceptée telle que soumise la demande d'usage conditionnel déposée par M. Michael Jacques à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 315 368, cadastre du Québec, situé 885 rue Garant. En conséquence, autoriser à cet endroit l'agrandissement du bâtiment existant, déménager un logement intergénérationnel s'apparentant au plan numéro UC 2021-5033-01 à UC 2021-5033-07 et aux annotations qui y sont inscrites, lesquelles sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que la présente résolution soit conditionnelle à ce que le propriétaire occupant de ce bâtiment confirme annuellement le lien de parenté ou d'alliance entre lui et l'occupant du logement intergénérationnel.
Merci, M. Fontaine. Appuyeur. J'ai appuyé Marco Savard. Marco Savard. Monsieur le greffier, juste me rafraîchir la mémoire là, avec les normes de COVID, les usages conditionnels puis les DDM, les gens pouvaient être consultés maintenant qu'on a des gens dans la salle? Les dispositions n'avaient pas encore changé. Et donc, malgré le fait qu'en séance du conseil, les personnes peuvent être présentes et les conseillers, les normes n'avaient pas changé pour les consultations publiques ainsi que pour les approbations référendaires. Je vais vérifier, les règles changent rapidement. Pour tout ce qui a trait pour l'approbation référendaire, là, ça reste encore à distance. C'est certain que si un citoyen est présent pour parler de la dérogation mineure, on pourrait le recevoir, mais jusqu'à preuve du contraire, on doit encore recevoir par écrit. Par écrit, oui. OK, bien, comme on est ça en place, est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir sur l'usage conditionnel dont on est en train de voter? Non, donc est-ce qu'on a un proposeur? Excusez, est-ce que quelqu'un demande le vote? Excusez-moi. Donc, adopté à l'unanimité. 14.3, études et décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur le greffier, est-ce que c'est vous qui lisez? Oui, oui, certainement. Alors, il est proposé que soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis en regard des dossiers suivants, à savoir le premier dossier, PIA 2021-4938, pour un immeuble situé au 178 rue Notre-Dame, vise l'ajout d'un escalier extérieur menant au deuxième étage sur l'élévation gauche du bâtiment et l'agrandissement du balcon sur l'élévation arrière, mais que soit refusé l'agrandissement du balcon couvert et du patio sur l'élévation avant du bâtiment. La deuxième demande, PIA 2021-5040, pour un immeuble constitué du lot 6 359 846 du cadastre du Québec et situé sur la troisième rue, qui vise la construction d'un bâtiment d'habitation bifamiliale. Selon les conditions suivantes, les mesures de protection des arbres à préserver doivent être mises en place, respectées et conservées durant tous les travaux. La troisième demande, la numéro PIA 2021-5047, pour un immeuble situé au 222 et 224 rue Cousins Nord, qui vise la subdivision du terrain afin de permettre la construction d'un nouveau bâtiment. La quatrième demande, PIA 2021-5050, pour un immeuble situé au 2560 route 219 et qui vise l'agrandissement d'un hangar agricole en cour arrière. La cinquième demande, PIA 2021-5051, pour un immeuble situé au 262 rue Laurier, qui vise le remplacement du revêtement extérieur, le remplacement des fenêtres et l'ajout d'une ouverture sur la façade latérale gauche, ainsi que la demande de PIA 2021-5052 pour un immeuble situé au 24 rue Louis-Liénard de Beaujeu pour le remplacement du revêtement extérieur en bois existant par un revêtement de clin de bois d'ingénierie. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. Appuyé par? J'appuie. Christiane Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. On est maintenant rendu à 14.4, adoption du premier projet de règlement suivant, 14.4.1, le règlement 2026. Est-ce qu'on a un proposeur? Je peux proposer, M. le maire. Je propose qu'il soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 2026 et intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 » et ses amendements dans le but de réduire les normes minimales d'implantation pour certains bâtiments et constructions accessoires implantés dans une cour adjacente à la rue dans la zone du groupe Habitat H. Prohiber les terrains de sport en cour avant dans la zone du groupe Habitation H. J'appuie, monsieur le maire. Appuyé par Marilyn Charbonneau, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.4. Point 2, le règlement 2027. Alors, M. le maire, que soit... Excusez. Ouais, allez-y, Mme Poisson. Que soit proposé... excusez-moi. Que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 2027 et intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but de créer la zone H1497 à même une partie de la zone H1584 afin d'autoriser les classes d'usage unifamilial, bifamilial et trifamilial et de prescrire les normes relatives au terrain et aux bâtiments pour ces usages. Cette zone est située sur le chemin du Grand Bernier Sud, du côté ouest, entre les rues Pilon et Hemmings. Appuyant. J'appuie. J'appuie, M. le maire. Monsieur Marco Savard, est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Règlement 14.4.3, le règlement 2028.
Oui, M. le maire, je vais le prendre. Je propose que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 2028 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but de créer une zone H5606 à même une partie de la zone H5532 afin d'autoriser les classes d'usage unifamilial, bifamilial et trifamilial et de prescrire des normes relatives aux terrains et aux bâtiments pour ces usages. » Cette zone est située sur la rue Adrien-Fontaine, du côté est, entre la rue Damas-Garot et Arcan. J'appuie, Michel. Michel Jeanneroy appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.5, adoption du second projet de règlement suivant. 14.5.1, le règlement 2010. Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, merci. Alors, considérant que divers commentaires ont été reçus au service du greffe, suivant un avis public de consultation écrite qui a été publié le 3 juin 2021, considérant que suite aux commentaires reçus aux échanges avec le requérant, les modifications suivantes sont notamment apportées au projet de règlement. Dans la zone H2043, le remplacement de l'implantation jumelée par isolée, la modification de la largeur minimale d'un lot à 16 mètres et la superficie minimale d'un lot à 429 mètres. Dans la zone H2042, le remplacement du nombre maximum de logements pour l'usage multifamilial à 24 logements par habitation. Dans la zone H2047, la modification du nombre de logements minimum et maximum, respectivement de 3 et 8, la modification de la structure des suites pour permettre les suites juxtaposées et superposées, et juxtaposées, et la modification de la note N194, notamment pour permettre un nombre de logements maximum de 52. Il est par conséquent proposé que soit adopté le second projet de règlement portant le numéro 2010. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Moi, je vais le proposer. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Monsieur Justin Bessette, appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je vais demander une proposition d'amendement au règlement 210, Monsieur le maire. Allez-y, Monsieur Savard. Tout simplement, c'est de rajouter une modification suivante dans l'interprétation de la zone 2043. C'est pour la zone H2044 qu'une largeur des lots de 16 mètres minimum soit intégrée à la réglementation. Et aussi un autre thème, pour la zone H2043, une profondeur de lot de 30 mètres minimum. C'est ce que je demanderais comme amendement à cette résolution. Est-ce qu'on a un appuyeur pour l'amendement proposé par Marco Savard? J'appuie. Madame Christiane Marcoux appuie l'amendement. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur l'amendement proposé par Marco Savard? Je demande le vote. Monsieur Justin Bessette demande le vote. Monsieur Savard, allez-y. Bien, le but, entre autres, de cette proposition étant de donner l'occasion d'un certain secteur de la première cellule du projet d'avoir une réduction de densification qui nous apporterait un projet avec plutôt 37 portes au lieu de ce qui est proposé aux premières propositions de 41 portes. Ce qui fait donc c'est que les citoyens qui sont concernés par cette zone-là m'ont fait part de leurs préoccupations, étant entre autres évidemment la densification sur plusieurs points. Je n'élaborerai pas tous les points, mais les points les plus importants, évidemment, c'est entre autres la circulation par rapport à la rue Fortification des Légendes. On comprend très bien que c'est un secteur enclavé. Donc, une issue de sortie, une issue de rentrée qui fait que si on y rajoute plus de densification, fait qu'évidemment, plus d'achalandage, plus de circulation dans cette rue locale, qui est une rue évidemment quand même assez restreinte par rapport à l'achalandage qu'il y a actuellement. L'autre point, évidemment, qui a été discuté avec les citoyens, leur préoccupation, c'est qu'ils aimeraient que le secteur soit harmonisé au secteur existant. Donc, avec la modification à ce règlement-là, ça nous permettrait d'avoir le même type de résidence et avoir un moins nombre de résidents. Donc, je pense que ça s'harmonise très bien, c'est cohérent avec ce que le secteur actuellement est fait. Fait que c'est pour ces raisons-là que je demande cet amendement-là. Merci, M. Savard. M. Bessette? Bien, c'est assez simple. Écoutez, je pense que le contracteur, M. Poirier, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour nous accommoder. On part d'une cour à scrap. Il a amené un plan, deux plans, trois plans pour nous accommoder. Quand on parle de la densification, bien, je pense que s'il s'agit qu'il y ait une ou deux personnes qui décident d'avoir des terrains doubles, puis on va tomber à deux blocs de différence, à deux maisons de différence. Pour ce qui est de la circulation,
admettons qu'on prend pour acquis que là-dessus, il y en a qui vont être seuls à habiter dans ces maisons-là. On parle de 4 à 5 au taux de plus, ce qui n'est pas beaucoup. Puis si, admettons qu'on fait des lots un petit peu plus petits, ça va permettre plus à la classe moyenne d'avoir accès à ces terrains-là, parce qu'on ne se le cachera pas, la différence, ça fait quand même une différence de 40, 50, 70 000 de plus par maison, qui est quand même pas négligeable pour des jeunes familles ou du monde qui veulent s'installer là. Fait que c'est pour ces raisons-là, je pense que c'est déjà un beau projet. On part d'une cour à scrap avec un très, très, très beau projet. Tous les projets à date qu'on a vus de M. Poirier ont été quand même bons. Il a super bien collaboré aussi au service de la ville. Fait que rendu là, je me dis, bon, c'est peut-être une petite croche dans le soulier. Moi, j'irais de cette façon-là. Puis je m'attends qu'à la fin, de toute façon, ça donnerait exactement le même projet parce qu'il s'agit qu'il y ait, je répète, sur 41 maisons, deux ou trois promoteurs, acheteurs qui veulent avoir des terrains doubles. Puis on tombe exactement au même lot. Puis on va donner l'accès à des familles peut-être un petit peu plus. Je ne suis pas pauvre parce que ça va être quand même des terrains dispendieux, mais ça va donner quand même un accès plus facile en faisant des lots un petit peu plus petits. Puis pour la circulation, bien, si les 5, 6 autos de plus que ça va donner ne sortent pas toutes en même temps, personne ne va voir la différence. Puis c'est juste à l'œil, 16 mètres ou 15,4. Je défie tout le monde ici de voir un terrain puis de me nommer 15,5 ou 16. C'est impossible à l'œil de s'en rendre compte. Puis ça va tout être un beau quartier quand même. Merci beaucoup. Merci, M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de l'amendement proposé par M. Savard? Bien, moi, je peux parler en faveur. Allez-y, Mme Poisson. Je suis d'accord que c'est un beau projet, que M. Poirier fait toujours des belles choses et j'en suis convaincue, ce qu'il nous a présenté. Sauf qu'à l'entour de la table, je pense, depuis 4 ans, le message qu'on se dit, c'est qu'il faut écouter nos citoyens. Puis même tantôt, on a dit, on ne votera pas pour la résolution parce qu'on n'a pas été consultés, nos citoyens. Bien, moi, je me suis informée auprès de M. Savard et il a consulté tous ses citoyens. Ses citoyens lui ont demandé de réduire les portes pour circuler sur la rue des Fortifications dans le domaine des légendes et ils ont demandé que les terrains s'harmonisent avec les leurs. Alors, quand on me dit après ça, bien, voyons, le conseiller n'a pas consulté ses citoyens. M. Savard le fait. Il demande ce que les concitoyens et ses citoyens veulent. Puis là, nous autres, on les refuse, on ne les écoute pas. Alors, pourquoi faire des consultations? Puis pourquoi aller les consulter puis les informer puis leur demander leur opinion si après ça, on ne les écoute pas? Alors, pour faire la même chose que vous, M. Savard, moi aussi, je passe à mes portes quand il y a des dézonages ou quoi que ce soit. Puis c'est pour les écouter, puis essayer de mettre en application ce qu'ils nous demandent. Alors, c'est pour ça que je suis pour l'amendement. Merci, Mme Poisson. Je vais m'exprimer, moi, contre l'amendement proposé par M. Savard. Je suis d'accord. C'est un magnifique projet que nous avons sur la table présentement, un investissement majeur pour notre municipalité, l'ajout de résidences. On sait qu'on a beaucoup de demandes de gens qui veulent venir vivre à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas vrai là, qu'on ne consulte pas nos citoyens. Nous les avons consultés 4 fois plutôt qu'une. Si je ne me trompe pas, il y a eu 2 consultations pré-changement de zonage. Et il y a eu ensuite des consultations dans le cadre prévu par la loi. Et vous savez-vous quoi? À toutes les fois, on a tenu en considération nos citoyens. Et moi, j'ai assisté à chacune des consultations. Et savez-vous quoi? Personne ne m'a parlé du terrain à 16 mètres plutôt qu'à 15,4 mètres, qui est 40 cm de différence. Comme M. Bessette dit, à l'œil, ça ne se voit même pas. Le projet a été modifié. Savez-vous combien de fois? Le projet qu'on nous a soumis vendredi passé, c'était la 70e version du plan. 70e version du plan. Donc là, ce soir, on adopte une 71e version qu'on va demander au promoteur de changer son plan. Savez-vous quoi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, on a une réputation. Hein? Les gens nous disent que c'est difficile de faire affaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Savez-vous quoi, vous avez présentement, là, vous assistez à l'exemple parfait de cette situation-là. Monsieur Poirier a effectivement mis beaucoup, beaucoup de compromis dans son projet parce que les directives ont été données par le service d'urbanisme, c'est la ville qui a donné des directives où on voulait mettre des normes environnementales, on voulait mettre un lien pédestre, un parc linéaire au cœur du projet pour mettre en valeur justement le transport actif. Donc, on a donné une vision et là,
petit à petit, bien, on détériore le projet. Puis oh, je dis détériore, là. M. Bessette a raison, là, ça va être quand même un projet luxueux, haut de gamme et de prestige. Mais on perd justement la direction que notre service d'urbanisme avait donnée. Et puis, on vient modifier le projet pour changer de 41 portes à 37 portes, là, ce qui est 4 portes de différence. Ça ne change absolument rien. Et puis, on assiste aussi beaucoup de mauvaise foi de M. Savard. Et là, il n'est pas contre le projet, mais à toutes les fois qu'on vient pour l'adopter, « Ah, on peut tout le retirer, on va changer quelque chose. On va le retirer, on va changer quelque chose. » Bon, mais un bel exemple où on vient complexifier la vie à nos promoteurs. Et c'est quelque chose qui devra changer dans l'avenir. Je vais voter contre l'amendement de M. Savard. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de l'amendement de M. Savard? Je vais m'exprimer en faveur. Lors du compromis, je pense que c'est notre plus grand défi en tant qu'élu dans l'ère des médias sociaux. Alors, ce n'est pas facile. Monsieur Savard, je dois vous féliciter pour le back and forth que vous avez fait avec vos citoyens puis que vous avez essayé de vendre ce projet-là parce qu'effectivement, c'est un projet qui est porteur pour notre communauté. Puis c'est clair qu'on essaie aussi de développer puis de s'agencer avec ce qu'il y a déjà dans le secteur. Donc, vous avez parlé d'école, M. Savard, qu'il y avait un manque d'école, qu'il y avait des craintes pour la circulation. Et si ça prenait 3 maisons pour faire lever un projet, M. Savard, je vais voter pour. Merci, Mme Dufresne. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre l'amendement proposé par M. Savard? Oui, M. le maire, je vais m'exprimer contre l'amendement. J'avoue que on avait affaire avec une cour de ferraille, on va parler le thème exact. La Ville investit des centaines de milliers de dollars pour relocaliser le propriétaire pour en faire un développement domiciliaire d'importance. Sous l'applaudissement, je devrais même dire, des citoyens, des résidents du secteur. C'est présentant promoteur, M. Poirier, que je me demande même, je le félicite pour sa patience, qui est parti d'un projet dans ce secteur-là de 46 portes, tombé à 41. On est rendu à 37. Comme disait M. le maire, si on s'en va une 72e mouture, peut-être ça va être 32. En tout cas, on va s'en aller vers zéro. J'ai de la misère à suivre le raisonnement parce que on parle de densification raisonnable pour avoir plus de verdure puis nous permettre d'acheter des boisés également. Mais c'est le projet. Puis ça semble très mineur, là. 4 portes, 5 portes. Bien, c'est des constructions de 600 000 $. Puis, je ne parle jamais à l'unité comme ça, mais ce soir, je vais le faire de façon exceptionnelle. On parle d'une contribution à la taxation d'environ 50 000 $ par année. Mais moi, si vous me donnez 50 000 $ par année, puis que je fais un règlement d'emprunt, là, je peux vous en acheter des boisés. Mais là, on ne semble pas... En tout cas, j'ai de la misère à comprendre la contradiction qu'il y a là-dedans. Parce que je me dis, c'est un beau projet, puis à un moment donné... Il faut que... Puis je me demande d'où ça vient. Bon, on dit M. Savard a consulté. Il y a eu 4 assemblées de consultation. Puis ce que j'en sais, c'est jamais sorti que les gens voulaient avoir des terrains de 16 mètres. Aucun citoyen n'a demandé ça des assemblées de consultation. D'où ça vient? Je ne le sais pas. Ça vient dans quelque part, mais ça ne vient pas des assemblées de consultation. Alors, on l'a faite, la consultation. La consultation publique où tous les gens pouvaient s'exprimer a été faite correctement. Les gens n'ont pas soulevé ça. C'est sorti à un moment donné comme un lapin d'un chapeau. Les gens veulent 16 mètres. Ah! Pourtant, ils ne l'ont jamais dit. Okay? Alors, je pense que quand on va faire l'ordre du compromis, comme ville, comme élu, on doit aussi assumer un leadership puis donner des orientations. Puis quand on donne des orientations de protéger des espaces verts, d'en acquérir le plus possible, de faire de la densification, mais il faut qu'on tienne le cap. Puis tenir la cape, ça veut dire quand même 4 maisons, mais il faut qu'ils soient construites. Alors, c'est pour ça que je suis en désaccord avec le projet de l'amendement de M. Savard. Puis je le félicite pour tout ce qu'il a fait, toutes les démarches dans son secteur. Je n'ai pas de problème avec ça. Bien, moi, si je veux être conséquent, je ne peux pas voter pour l'amendement, malheureusement. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de l'amendement proposé par M. Savard? Personne. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre l'amendement proposé par M. Savard? Monsieur le maire, je vais m'exprimer contre.
En fait, effectivement, c'était un plan qui permettait pour une fois d'avoir des espaces verts communs qui amenaient des liens de transport actif, le cyclisme, pédestre, etc., qui connectaient les quartiers. Au départ, il y avait un problème d'accessibilité parce que les sorties étaient beaucoup trop concentrées. Le projet a été revu, comme on dit, c'est 70 versions. Mais au-delà de ça, quand on parle de l'art du compromis dans notre ville, il nous manque cruellement d'habitations abordables. On parle des maisons dans des prix moyens. On est à côté d'une école. On est dans un quartier qui est quand même assez proche des services. Je pense qu'on aurait pu justement répondre à ces besoins-là, puis tout en tenant en considération les besoins des gens du secteur. Puis je pense qu'on y était, puis M. Poirier a fait beaucoup de compromis. Moi, je pense que si on veut vraiment justement faire de la belle densification à des endroits opportuns, puis là, on ne parlait même pas dans les terrains qu'on parlait, c'était pas en étage, c'était des jumelés. Je veux dire, il faut permettre ça, surtout quand c'est près des milieux de vie, des écoles, où est-ce que tous les services, on a besoin de garder nos familles, c'est important. Puis c'était une occasion. Maintenant, il y a eu des demandes, le promoteur le fait, mais en même temps, je suis entièrement d'accord avec ce que M. le maire, Alain et Yvan ont apporté avant. Là, je pense que on doit aller de l'avant, puis accepter le plan, là, tel qu'il était rédigé, là, sans l'amendement. Merci, Marilyn. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer contre l'amendement proposé par M. Savard? Personne, mot de la fin, M. Savard? Oui, merci, M. le maire. Faut prendre en considération tous les points que vous nous apportez, mais je pense qu'il y a des gens qui ont manqué des étapes dehors des consultations qui ont été faites depuis quasiment un an. C'est un projet, évidemment, que tous les citoyens du secteur étaient favorables au projet. Lors des consultations à plusieurs événements et plusieurs discussions, le point était surtout, entre autres, dans le domaine des secteurs des légendes directement, demander est-ce que tout ce réseau d'achalandage-là soit créé plutôt vers le boulevard Saint-Luc, que malheureusement, on n'a pas pris en considération, même avec lors que les préoccupations des citoyens n'en faisaient pas. Faux. Leur but premier, c'était zéro résidence dans cette cellule-là. Ils sont arrivés à une idée de compromis, quand on parle de compromis, ils ont compris qu'il était possible de faire un projet quand même sans empêcher le projet d'aller de l'avant. C'était de supplément d'arriver avec une cellule de 25 résidences. Attaché à ça, par rapport au contexte, c'est le maximum qu'ils désiraient, eux autres, avoir de leur part. Fait, quand on a discuté avec des citoyens, même M. le maire, je pense à certaines occasions, vous avez eu l'occasion de leur dire aussi que vous étiez là pour leurs préoccupations. Ce n'est pas le cas, ce que je vois actuellement. C'était de permettre à 25 maisons maximum de se construire. Suite à d'autres discussions, on est arrivé à un autre compromis en disant peut-être que 37 résidences auraient le maximum de compromis. Donc, on arrive avec un résultat où il y a une acceptabilité sociale. Où est-ce que les citoyens se disent, bon, mais regarde, on n'a pas été perdants, mais on n'a pas été gagnants, mais du moins, il y a tout ce qui s'est fait pour améliorer leur qualité de vie. Fait que donc, notre rôle en tant que conseiller municipal, c'est d'assumer une qualité de vie à nos citoyens. Puis dans tout projet, ça va être comme ça. Puis quand on discute de situation, entre autres, d'éliminer des espaces verts par rapport à la différence du 7 mètres, on n'enlève rien, parce que ces espaces verts-là vont rester plutôt propriétaires qui ont acheté les terrains, plutôt que ça devienne une bande commune où les gens peuvent y circuler pour se rejoindre de certains relais dans le projet initial. Donc, on n'enlève rien. On fait juste enlever la densification. On fait juste enlever quatre portes, tout simplement, qui amène un projet qui est très vivable, très agréable, puis accepté par la collectivité. Fait que c'est encore plus intéressant en sachant que tout le monde est heureux dans tout ça. Donc, à partir de là, bien, je pense que c'est simple de faire le calcul en disant, bon, au moins, on a un avantage. Puis quand on parle des écoles, à proximité des écoles, mais si tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école parce qu'il y a trop de densification dans la zone, l'école est remplie, mais là, je m'excuse de tes envois. Moi, j'ai des parents qui m'appellent, me disent, mon enfant de quatrième année doit aller à une autre école, doit faire 45 minutes d'autobus, aller-retour, c'est 1h30 par jour. Puis vous allez me dire après ça que ce n'est pas grave, ils vont aller à l'école à proximité. Il n'y a pas de proximité, ils sont rendus à Prévert. Fait que vous délogez des enfants d'un secteur pour avoir des liens d'appartenance, pour qu'ils puissent jouer avec leurs amis,
Mais là, ils arrivent à la fin de la journée, ils ne peuvent pas jouer avec leur ami parce qu'ils ont de l'autobus à faire, parce qu'ils ne sont même pas dans la zone à proximité de leur propre école. Fait qu'il faut commencer à regarder les analyses qui doivent être faites. Il y a de l'identification qui est acceptable. C'est déjà au maximum, je vous dirais, que dans mes expressions, là, l'éléphant est rempli dans la canne de sardines, c'est trop. Fait que donc, si on arrive à un compromis de 4, je pense que le calcul est bon. Puis d'ailleurs, si vous continuez, si vous me suivez encore, lors d'une rencontre avec les membres du conseil, initialement, M. Poirier nous avait proposé un projet de 307 portes de logement. Là, avec toutes les modifications qu'on vient d'apporter, puis les modifications qui viennent nous apporter au changement qu'on vient d'adopter ce soir, il arrive avec un total de 309 portes. J'y enlève 4 portes, il arrive avec 306 portes. Je ne crois pas que M. Poirier, pour une porte, va faire la différence entre refuser le projet ou remettre le projet à l'eau. C'est impossible. Fait que donc, prenez les présentations qui nous ont été faites, présentées par nos directeurs de service, puis calculez-les exactement le décompte. Fait que le décompte, il y a juste une perte d'une porte. Fait que c'est pour ça que je pense que le projet est encore plus intéressant, puis ça fait l'unanimité. Fait que donc, c'est pour ces raisons-là que je vais continuer à voter pour cet amendement-là. Merci, M. Savard. M. le greffier, le vote sur l'amendement proposé par M. Savard. Merci. Alors, Mélanie Dufresne. Pour. M. Justin Bessel. Contre. M. Michel Gendron. Pour. M. Jean Fontaine. Pour. M. François Auger. Pour. Mme Patricia Poisson. Pour. Mme Christiane Marcoux. Pour. M. Marco Savard. Pour. M. Yvan Berthelot. Contre. Mme Claire Charbonneau. Pour. Mme Marilyn Charbonneau. Contre. Et M. le maire. Contre. Alors, 4 contre, 8 pour. Donc, l'amendement proposé par le conseiller Marco Savard est adopté à la majorité. Je reviens à la proposition principale. On avait un proposeur et un appuyeur. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition principale telle qu'amendée par Marco Savard? Adoptée à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus maintenant au point 14.5.2, le règlement 2013. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le faire, M. le maire. Je propose que soit adopté tel que soumis le second projet de règlement portant le numéro 2013 intitulé « Règlement modifiant le règlement zonage 0651 et ses amendements dans le but d'autoriser la même zone H1535, les usages services de nettoyage et de réparation de tapis, services de nettoyage de fenêtres, services d'extermination et de désinfection, services d'entretien ménager, services de ramonage de cheminées de la classe 9 du groupe « Commerce et services ». Ces zones sont situées sur la rue Jacques-Cartier-Sud, du côté ouest, entre la rue Simard et Farrar. Appuyeur. J'appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.5.3, le règlement 2014. Monsieur le maire. Oui. Je propose soit adopté tel que soumis le second projet de règlement portant le numéro 2014 et intitulé « Règlement modifiant le zonage 0651 et ses amendements dans le but d'autoriser la même zone C-1765 d'usage service de traiteur ou de préparation de mets apportés sans consommation sur la place du groupe commerce et services C. Ces zones sont situées sur la rue Frontenac du côté nord entre la rue Collin et Mercier. » Appuyant. J'appuie, Mélanie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.5.4, le règlement 2015. Oui, M. le maire, je propose que soit adopté tel que soumis le second projet de règlement portant le numéro 2015, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but d'agrandir la zone H4100 à même une partie de la zone C4961 afin d'y inclure un immeuble résidentiel protégé par droits acquis. » Actuellement situées dans la zone C4961. Ces zones sont situées sur la route 219 du côté sud à l'ouest du chemin du Petit Bernier. Appuyant. J'appuie, Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Pardon, M. Fontaine? Oui, j'appuie. Mme Poisson l'avait déjà fait, donc est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.5.5, le règlement 2016. Proposeur. Monsieur le maire. Je propose que soit adopté tel que soumis le second projet du règlement portant le numéro 2016 et intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but d'autoriser à la même zone H1820 la classe d'usage multifamilial de 4 à 6 logements ainsi que les normes se rappelant
se rapportant au bâtiment principal et au terrain. Cette zone est située sur la rue Jacques-Cartier-Sud, du côté ouest, entre les rues Farrar et O'Kane. Appuyant. J'appuie, Mélanie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.5.6, le règlement 2024. Oui, je propose que soit adopté tel que soumis le second projet de règlement portant le numéro 2024 et intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 0651 et ses amendements dans le but de réduire à l'intérieur de la zone H3093 le nombre de logements maximal autorisés pour le fixer à 4 logements. Cette zone est située sur la 8e avenue du côté nord entre les rues Riendo et Balthazar. » J'appuie. Monsieur Savard appuie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.6, rejet des PPCMOI suivants. 14.6.1, le PPCMOI 2021-5005. Oui, Monsieur le maire. Alors, suite à la recommandation négative du CCI et du service de l'urbanisme, je propose que soit refusée la demande du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PCCMOI 2021-5005, au 4 270 472, situé sur la rue Boyer, qui visait à autoriser l'usage entrepreneur C9-05-01, entrepreneur en construction ou en rénovation, des enseignes commerciales et murales et un survitrage, un nombre minimum de cases de stationnement dérogatoire de 2 cases, contrairement à la norme prescrite à 5 cases, selon un ratio de 1 par 75 mètres carrés applicable à l'usage C9-05-01. Appuyant. J'appuie. Christine Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.6.2, le PPCMOI 2021-5011. La rue Boutillier-Nord. Proposant. Je vais le proposer, M. le maire. Je propose que soit refusée la demande du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro PPCMOI-2021-5011, le lot 4 259 909, et le lot 4 259 910 du cadastre du Québec, situé sur la rue Boutillier-Nord, visant à autoriser la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements avec un ratio de stationnement moindre que requis. Propose appuyant. J'appuie, Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.7, adoption du premier projet de résolution suivante. 14.7.1, le PPCMOI 2021-5056. Je propose que soit adopté tel que soumis le premier projet de résolution PPCMOI 2021-5056, tel que joint en annexe de la présente résolution, pour en faire partie intégrante de la 8e avenue. Appuyant. Je vais appuyer. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.7.2, le PPCMOI 2021-4570. Donc, ça, c'est un point que nous avons ajouté à l'ordre du jour pour un projet de l'entreprise Holimel située sur Grand Bernier Nord, coin rue des Carrières. Alors, M. le maire, je propose que soit adopté tel que soumis le premier projet de résolution numéro PPCMOI 2019-4570. Tel que joint en annexe de la présente résolution pour en faire une partie intégrante des lots. Faut que je les nomme ou tous, non? Parfait, merci. 865, situé sur la rue Claude, le chemin du Grand Bernier Nord et de la rue des Carrières. Je vais appuyer. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.8, adoption du second projet de résolution suivant. 14.8.1, le PPCMOI 2019-4610. Pour un projet qui est situé près du résidentiel sur les rues Saint-Georges et Saint-Pierre. Oui, M. le maire, je vais proposer que soit adopté tel que soumis le deuxième projet de résolution PPCMOI 2019-4610, tel que joint à l'annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, le lot 6 253 865 et 6 253 866 du cadastre du Québec est situé sur les rues Saint-Georges et Saint-Pierre. J'appuie. Monsieur Marco Savard appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.8.2, le PPCMOI 2021-4994. Oui, Monsieur le maire, j'aimerais reporter... Attendez, est-ce qu'on a un proposeur pour la résolution? Bien, je propose le report...
de cette résolution pour le prochain conseil public. Je vais d'abord prendre un proposeur pour la résolution, puis vous proposerez un amendement pour la reporter. Donc, je vais le proposer, moi, le PPC, moi, de l'hôtel 54. Excusez-moi. 14.8.2. Donc, il est proposé que soit accepté tel que soumis le deuxième projet de résolution PPC-MOI 2021-4994, tel que joint en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Hôtel 54, les lots 4 260 395 et 4 260 396 du Canada du Québec, est situé sur la rue du Royal 22e, au coin de la rue Richelieu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Personne? Je vais appuyer, M. le maire, parce qu'il n'y a personne, il ne pourra pas avoir de proposition de report. Merci, M. Berthelot. M. Berthelot appuie. Stratégique seulement. Donc, je comprends, Madame Dufresne, que vous proposez de reporter le projet? Oui. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition de Madame Dufresne? J'appuie. Claire Charbonneau. Madame Claire Charbonneau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je vais demander le vote, moi. Donc, allez-y, Madame Dufresne. Bien, en fait, le projet a été soumis à la population. C'est un super de beau projet. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont des interrogations, il y a beaucoup de gens qui ont des craintes, il y a des gens qui apportent aussi des solutions à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ils sont contents d'avoir un projet dans leur secteur. Par contre, ils aimeraient se faire entendre. On a une rencontre avec ces citoyens-là vendredi prochain. Puis moi, je veux les entendre, je veux questionner davantage leurs préoccupations. Je veux aussi que les gens, que les entrepreneurs soient là pour répondre aussi aux questions. Donc, on a une rencontre de planifier. Puis moi, je pense que c'est porteur. Quand on veut un projet porteur, l'acceptabilité sociale dans mon livre à moi est importante. On a un centre-ville qui est en reconstruction. On a besoin de densification. Des projets comme ça, je les aime. Maintenant, je n'ai pas envie d'aller en référendum ou faire refuser ce projet-là. Donc, je préfère travailler en amont avec les citoyens. Alors, c'est pour ça que j'aimerais reporter cette résolution-là pour la prochaine assemblée. Merci. Donc, moi, je vais voter contre le report parce que nous sommes face ici à un projet vraiment, vraiment de qualité, un important projet au centre-ville qui va contribuer à changer la dynamique du centre-ville, qui va nous apporter aussi des gens qui vont venir vivre notre centre-ville. On parle d'un site actuellement qui a besoin d'amour. Vous savez, le site de l'Hôtel 54, c'est l'ancienne... je pense que la Légion a déjà été là jadis. L'Hôtel 54, dans le fond, c'est un restaurant Meurthe et Ministère. Il est tout peinturé en noir présentement. Il y a une petite maison juste à côté. Donc, on a un projet actuellement majestueux sur le site. Et là, c'est la même chose qui se répète, là, comme le dossier de M. Poirier. Il y a quelques semaines, ben, on n'aimait pas les fenêtres. On va demander aux promoteurs de faire des fenêtres à carreaux plutôt que des fenêtres latérales. Là, finalement, c'est d'autres choses. On va changer le gabarit de l'immeuble. Donc, un PPC-MOI prévoit déjà des périodes de consultation. Moi, je ne suis pas contre qu'on rencontre les citoyens. D'ailleurs, c'est vrai, il y a une rencontre de prévue avec les citoyens vendredi prochain. Il y a aussi des consultations prévues dans le cadre légal là, du changement réglementaire. Puis, on parle ici d'une modification qui vient permettre, en gros, un penthouse sur l'immeuble. Vous avez certainement vu les photos dans le Canada français. Magnifique immeuble. Puis, de toute façon, le sixième étage qu'on parle n'est même pas visible de la rue. Donc, ça ne change rien au niveau de l'éclairage, au niveau de l'ombrage, au niveau quoi que ce soit. Donc, on a un beau projet sur la table. Puis, je pense que ça serait un bon signal que le conseil municipal ne reporte pas de réunion en réunion ce projet-là, puis qu'on l'approuve le plus rapidement possible. Justin. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur du report? Justin. Moi, je n'ai pas de misère à ce qu'on le reporte si les gens sont d'accord à ce qu'on fasse une assemblée mardi prochain extraordinaire. Parce que présentement, on est dans des projets qu'on sait tous que la construction, c'est difficile. Si on perd un mois de la construction, l'hiver va arriver, on n'aura pas le temps de lever tout le projet. Fait que je suis quand même, on parle souvent de compromis, je suis quand même quelqu'un de compromis là-dessus. On rencontre les gens vendredi, mardi prochain, tout le monde ici, on se déplace.
pour permettre à l'entrepreneur de gagner 3 semaines. Ça paraît pas beaucoup, mais quand tu attends des fenêtres, quand tu attends des matériaux, ça fait toute une différence. Fait que je suis d'accord, si les gens sont d'accord, est-ce que mardi prochain, on fasse une assemblée extraordinaire pour pas ralentir le promoteur, puis pour qu'on soit d'avant. On est là pour travailler pour les entrepreneurs, on dit tout, là, je pense qu'on entend tout le monde. Bien, moi, j'y vois avec un rapport, mais on se déplace tout le monde ici un petit peu, puis on donne tout un petit peu. On était supposé être en vacances mardi prochain. Bien, on donne un petit coup de main à l'entrepreneur, toute la gang, puis on se déplace ici mardi prochain où on le fait en Zoom pour pouvoir faire ça. Merci, M. Bessette. Je vais convoquer la séance extraordinaire pour mardi prochain. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre le report de cette décision-là? Personne? Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Personne? Mot de la fin, Mme Dufresne? Bien, en fait, j'ai eu plusieurs discussions avec plusieurs personnes, donc il n'y a pas feu dans la cabane. Alors, c'est pour ça que je suis très à l'aise de reporter cette résolution-là au mois prochain. Il n'y a personne qui a un problème avec ça. Au contraire, c'est même bienvenu. Donc, merci. Parfait. Donc, monsieur le greffier. Juste comprendre comme faut l'option avant de voter. Est-ce que si on rapporte, est-ce qu'on est d'accord pour faire une réunion mardi prochain? Parce que là, c'est mon... C'est moi, M. Bessette, qui compte les séances extraordinaires. Ensuite, libre à chacun de se présenter ou pas. Évidemment, si les membres du conseil ne se présentent pas, on n'aura pas quorum. On peut reporter, puis il va y avoir, comme vous dites, vous allez convoquer une séance mardi prochain. Mardi prochain, je convoquerai une séance extraordinaire pour traiter de ce point. C'est bon. Oui, alors, Mme Dufresne? Pour. M. Bessette? Pour avec mardi prochain la réunion. Je dois prendre le vote pour. Oui, pour. Donc, il a voté pour. Merci. Michel Gendron. Pour. Monsieur Jean Fontaine. Pour. Monsieur François Auger. Pour. Madame Patricia Poisson. Pour. Madame Christiane Marcoux. Pour. Monsieur Marco Savard. Pour. Mes vacances sont au mois d'août. Monsieur Yvan Berthelot. Pour. Madame Claire Charbonneau. Pour. Madame Marilyn Charbonneau. Pour avec le report. Et Monsieur le maire. Je vais voter pour également, considérant le report. Alors, l'unanimité. Considérant la séance extraordinaire. Donc, adopté à l'unanimité, le point est reporté à la semaine prochaine. Donc, Monsieur le greffier, prenez une note tout de suite là, que je vais convoquer une séance extraordinaire pour mardi prochain, 18h30, ici même. Merci. 14.9, adoption des PPCMOI suivants. 14.9.1, le PPCMOI 2020-4816. Pour le 865 boulevard d'Héberville. Un autre magnifique projet. Je suis là, ça peut ouvrir. C'est quelqu'un qui pourrait lire pour moi, s'il vous plaît. J'arrive, si ça l'ouvre, là, ça tourne. Je ne propose que soit adoptée telle que soumis la résolution PPCMOI 2020-4816, le tout tel que joint à l'annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, 865 boulevard Héberville. Je vais appuyer. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.9.2, le PPCMOI 2020-4821. Que soit adoptée telle que soumise la résolution du PPCMOI, telle que joint à l'annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante, le 126 rue Jacques-Cartier-Nord. Appuya. J'appuie. Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.9.2, le PPCMOI 2020-4892. Oui, Monsieur le maire, je propose que soit adoptée telle que soumise la résolution du PPCMOI 2020-4892, tel que joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est situé au 614 chemin du Clocher. Merci. Quelqu'un appuie ce PPCMOI? J'appuie, Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.10, octroi du contrat suivant. 14.10.1, le contrat SA 1284 AD21G. Je propose que soit accordé à Covabar le contrat relatif à la plantation de 450 arbres sur le site de conservation de l'avenue Conrad-Gosselin dans le secteur Héberville au coût unitaire et forfaitaire du fournisseur reçu le 16 juin 2021 et confirmé dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres SA-1284-AD-21-G pour un montant total de 58 445,47 taxes incluses. Appuyant. J'appuie.
Yvan Berthelot. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.11, signature d'un bail pour la location d'un terrain à l'aéroport. C'est pour une école de conduite de moto. Proposeur. Alors, Monsieur le maire, que soit autorisée la location d'une partie du lot 5,337,294 du CADES du Québec d'une superficie approximative de 6 908 mètres carrés en faveur de l'école de conduite Gérard Gré incorporée avec les conditions suivantes. La durée du bail est de 3 ans et ce, débutant le 1er mai 2021 et se terminant le 30 avril 2024 sans possibilité de renouvellement. Le loyer annuel sera de 2 763 $ en plus des taxes applicables, ajustées annuellement selon l'IPC de Montréal. Un coût supplémentaire de 120 $ par année par unité de container pour entreposage. Que le greffier et la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tout document nécessaire à l'exécution de la présente résolution. Appuyant. J'appuie. Christiane Marcoux, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 14.12, signature de la convention d'aide avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Alors, Monsieur le maire, je propose que le greffier ou la greffière adjointe ainsi que l'avocat de conseil soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu la convention de subvention avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Que Mme Sophie Latour, chef de division développement économique, soit désignée à titre de responsable et représentante de la Ville pour toute communication dans le cadre de la présente convention. Je vais appuyer. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Le point 15.1 a été reporté, retiré de l'ordre du jour à l'heure de l'adoption. On est rendu maintenant aux avis de motion. 16.1, le règlement 2021. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Vous juste lire le petit résumé de quoi on a... Oui, ce projet de règlement a pour but d'agrandir le territoire assujetti au programme d'aide financière pour la rénovation des façades commerciales du centre et ville afin de soutenir la relance économique et la transformation des espaces bureaux. Merci, M. Savard. Est-ce que 16.2, le règlement 2022, qui donne l'avis de motion? Monsieur le maire, je vais faire l'avis de motion. Ce projet de règlement pour but d'agrandir le territoire assujetti au programme d'aide financière pour la rénovation de suites commerciales du centre-ville afin de soutenir la relance économique et la transformation des espaces bureaux. Merci, M. Savard. 14 finalement, 16.3, le règlement 2023. Oui, je donne avis de motion, M. le maire. Donc, ce projet de règlement pour but de stimuler l'implantation et les investissements commerciaux dans ce secteur, les futurs locataires, les nouveaux propriétaires occupants d'un immeuble commercial qui exerce un usage bureau. Merci, M. Berthelot. Donc, nous sommes rendus maintenant à la section règlement 17.1, le règlement 2003. Monsieur le greffier. Merci. Alors, ce règlement a pour objet de créer la zone H3529, à même une partie de la zone H3521, et d'y autoriser les classes d'usage unifamilial ainsi que bifamilial comportant une structure des suites superposées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Appuyé par? J'appuie, M. le maire. Yvan Berthelot, quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.2, le règlement 2004. Dans ce règlement pour objet d'exécuter des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc pour les rues de Lens, Bruneau, de Salières, des Trembles, Félix-Leclerc, Les Tourneaux et de l'avenue des Pins, pour un coût de 4 056 000 à être financé avec un emprunt au terme de 20 ans, remboursé au moyen d'une taxe spéciale prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables de la Ville, indiqués au plan annexé au règlement. Qui propose? Je propose. Appuyé par? Appuyé, Marco Savard. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.3, le règlement 2005. Je vais annoncer mon conflit d'intérêts. D'autres personnes? Je veux savoir, M. Bessette, d'habitude, vous... Là-dedans, là, c'est, ça l'ouvre, là. Ça s'en vient. Je dis oui tout de suite. On a un système incroyable d'informatique, là, fait que ça... C'est un règlement sur les programmes Rénovation Québec pour les subventions au centre-ville. C'est clair que je suis en conflit d'intérêts. C'est ça qui me semblait. C'est noté. Oui, une ou deux bâtiments. Monsieur le greffier. Alors, effectivement, ce règlement a pour objet de poursuivre le programme Rénovation Québec.
Propose, M. le maire. Puis je vais appuyer. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Michel aussi, tu es en conflit. Tu devrais te retirer, Michel. À moins que tu aies pu ta bâtisse. Je l'ai dit. Je l'ai dit aussi. Je ne l'avais pas compris. Je ne l'avais pas enregistré. C'est pour ça que je te mettais. Monsieur le greffier, ça va? Si, oui, c'est noté. Règlement 2006, le point 17.4. Alors, ce règlement a pour but de fixer les modalités d'utilisation des sites de dépôt des neiges usées de la ville. Proposeur? Je vais proposer. Marco Savard, appuyé par? J'appuie, Yvan Berthelot. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.5, le règlement 2007. Ce règlement a pour objet de procéder à l'exécution de travaux de remplacement des systèmes de contrôle de ventilation à la station d'épuration et des travaux de pompage temporaire au remplacement des conduites au poste de pompage Gouin pour un coût de 515 000 $ à être financé par un emprunt pour un terme de 10 ans, remboursé au moyen d'une taxe spéciale prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables de la ville, tel qu'indiqué au plan en annexe au règlement. Proposeur? Proposeur. M. Auger, appuyé par M. Berthelot. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Le règlement 2008.17.6. Ce règlement a pour objet d'agrandir les zones H1574 et H1585, à même une partie de la zone I1523, et de réduire à l'intérieur de la zone H1574 la largeur minimale prescrite pour un terrain intérieur et un terrain d'angle, ainsi que la superficie minimale prescrite pour un terrain de la classe bifamiliale pour les fixer respectivement à 15 mètres et à 450 mètres carrés. Merci. Proposeur? Je vais proposer Jean Fontaine. Appuyé par? Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 17.7, le règlement 2019. Ce règlement a pour objet de poursuivre l'exécution de travaux d'aménagement pour le plateau sportif du parc multisport Bleury pour un montant de 1 203 000 $ à être financé par un emprunt sur un terme de 20 ans, remboursé au moyen d'une taxe spéciale prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables de la ville selon leur valeur. Proposeur? Je propose, Mélanie. Appuyé par? J'appuie, Patricia Poisson. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Règlement 2020, le point 17.8. Ce règlement a pour objet d'apporter plusieurs modifications au règlement numéro 1709 relatif à la gestion contractuelle afin d'ajouter des mesures favorisant l'achat québécois et divers correctifs. Proposeur? Je propose, Yvan Berthelot. Appuyé par Mme Marcoux. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Règlement 2025, le point 17.9. Oui, alors ce règlement pour objet d'assujettir la zone H1820 au secteur de PIA, habitation multifamiliale. Proposeur. Propose Jean Fontaine. Appuyé par? Mélanie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 18, correspondance et dépôt de documents au conseil municipal. Oui. Alors, je dépose l'approbation des règlements suivants par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le règlement 1951 ainsi que le règlement 1965. La lettre réponse du ministère des Transports du Québec à la demande de modification de la loi sur l'expropriation suite à la transmission de la résolution portant le numéro 2021-05-379. Le registre cumulatif des achats au 30 juin 2021. La lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relative au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le programme TEC 2019-2023, daté du 7 juillet 2021. La même lettre, mais adressée cette fois-ci au maire, datée du 8 juillet 2021, ainsi que la liste des personnes embauchées par la directrice du service des ressources humaines pour la période du 1er au 31 mai 2021. Merci, Monsieur le greffier. Donc, nous sommes rendus au point 19, période de questions. Donc, j'ai quatre questions de gens qui sont présents dans la salle. Donc, nous allons débuter cette séance avec M. Guy Landlois, suivi ensuite de M. Richard Dumont. Bonsoir, M. Landlois. Bonsoir à tous. Comme on dit en latin, long time no see. Mais presque, hein? Ça va bien, M. Landlois? Ben oui, et tout le monde, j'espère que ça va bien. Ben oui. Moi, je viens encore vous parler des fausses cartes et des fausses cotes utilisées par nos urbanistes. Vous savez, depuis 2017 que l'ingénieur Dupuis vous l'a confirmé, ces cartes-là et ces cotes-là sont fausses. Et sur la base des fausses informations que nos urbanistes donnent aux gens,
ça permet au gouvernement de voler le citoyen parce qu'il ne peut pas admettre qu'il a fait une erreur. Et le dernier, à ma connaissance en ligne, c'est M. Christian Saint-Laurent, au coin de la 6e avenue. Il a racheté son propre terrain pour 35 600 $. Et la ville de Saint-Jean, le complice avec le gouvernement, lui a chargé 491 $ de taxes de bienvenue. Puis vous savez que ces cotes-là, vous savez que ces cartes-là sont fausses. Je trouve ça dommage que, M. le maire, vous nous dites que vous ne pouvez pas reconnaître que les cotes sont fausses, parce que vous dites que ça va avoir un impact au niveau financier pour Saint-Jean. Donc, vous préférez laisser le gouvernement utiliser ces fausses cartes, parce que vous voulez sauver de l'argent pour Saint-Jean au lieu de protéger le citoyen qui, lui, en paye le prix. Là. Alors, nous, on voudrait savoir parmi vous, c'est qui préfère sauver de l'argent à Saint-Jean en laissant les urbanistes utiliser les fausses cartes, et qui parmi vous préfère défendre l'intérêt des citoyens? Puis je commencerai par Mme Dufresne, parce que ça, c'est l'exemple qu'on a eu avec le M. Saint-Laurent au coin de la 6e avenue. Je l'ai bien expliqué. J'ai même écrit à Mme Sonia Lebel quand elle était ministre de la Justice, c'est un vol de terrain. Elle m'a répondu, prenez un avocat. Voulez-vous qu'on fasse le tour de table tout de suite? Pardon? Voulez-vous qu'on fasse le tour de table tout de suite? Oui, je commencerai par Mme Dufresne. Mme Dufresne? En fait, il va falloir que je retombe dans ce dossier-là. Je ne m'attendais pas à votre question aujourd'hui, M. Langlois. Oui, on en avait parlé, mais il va falloir que je replonge dans le dossier avant de vous répondre. Mais je suis vous désolée. Savez que les cotes sont juste, fausses. S'il vous plaît, on va juste laisser le temps aux élus de répondre à la question. M. Bessette? Bonjour, M. Langlois. Je vous ai donné mon opinion là-dessus. Moi, je ne peux pas affirmer qu'ils sont fausses. Je suis d'accord avec vous que les cartes, je ne suis pas un spécialiste des cartes. Je suis d'accord que quand je vois les gens racheter le terrain, j'ai un peu de difficulté avec ça. C'est comme si on viendrait vendre un terrain qui leur appartenait. Mais je vais être comme on a toujours dit, c'est un dossier malheureusement qui touche beaucoup plus le provincial qu'il nous touche au municipal. C'est faux. S'il vous plaît, M. Langlois, laissez terminer, M. Bessette. C'est pas la ville de Saint-Jean, c'est présentement qui a fait les cartes, qui a fait les cartes. Vous avez toujours eu mon appui là-dedans, même si vous me dites que c'est faux. Vous avez toujours eu mon appui là-dedans. J'ai été à 2, 3 ou 4 de vos réunions pour assister. Quand on parle des cotes, c'est quand même un dossier qui est très complexe. Puis malheureusement, je le répète, c'est pas un dossier qui est municipal, c'est un dossier qui est vraiment provincial. C'est eux qui ont fait les cotes. Puis c'est pas nous qui passons par-dessus le provincial. La journée que le provincial viendrait changer ses cotes, tout de suite, demain matin, le municipal sera obligé de l'adapter. Fait que ça, c'est la vérité. Merci. Fait que quand on dit que c'est le provincial qui décide dans le dent, c'est le provincial qui décide. Pareil pour les zones inondables, qu'on a beaucoup de secteurs dans mon secteur qui tombent dans 20 ans ou dans 25 ans, puis ça devient compliqué à construire ou ça devient même impossible de construire, puis on est toujours après se débattre avec le provincial là-dedans. Merci beaucoup, M. Bessette. Rapidement, Mme Poisson, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je suis dans la même veine que M. Bessette. Ce dossier est vraiment provincial. Dommage que la cote ne soit pas comme elle serait supposée d'être, selon vos dires. Mais je pense qu'on devrait plus pousser au provincial pour faire changer le tout, parce que nous, on fisse notre compte de taxes par rapport à ces cotes-là. Là, Madame Marcoux? Un peu la même réponse que M. Bessette. Je pense que c'est un dossier provincial, puis c'est avec le provincial que les citoyens devraient discuter. S'il vous plaît, M. le maire. Merci, M. Madame Marcoux. M. Savard? Il y a des gens aussi que je pense que vous avez parlé. Je suis un peu de la même avis que mes collègues. Là. Effectivement, M. Langlois, vous le savez. On a des décisions à prendre, mais quand ça vient d'une juridiction à part la nôtre, on n'est pas en mesure de prendre des décisions. Puis en plus, si, dans le meilleur des avantages qui serait, ce serait qu'on aurait une recommandation de vérifier la cote. À ce moment-là, là, on pourrait avoir au moins un meilleur aperçu de la situation. Là, c'est nébuleux. Là. On ne sait pas qui est à qui la responsabilité. Là. Fait que je maintiens position qu'il faut se fier principalement au provincial pour avoir les autorisations pour faire des recommandations. Les gens virtuels, je ne vous oublie pas. Donc, M. Berthelot? Oui, M. le maire, on a fait tout de même une résolution depuis il y a environ 2 ans, je pense, pour essayer de faire avancer le dossier. Puis effectivement, ça semble embourber, je ne sais pas où puis à quel point. Mais je pense que tant il y a si longtemps qu'on n'aura pas une écoute du gouvernement provincial là-dessus, on ne pourra pas avancer. La ville seule ne peut pas le régler, ça c'est clair. Puis il faut que le gouvernement provincial soit à notre écoute pour pouvoir effectivement changer sa cartographie. Merci, Mme Charbonneau.
Je suis du même avis que mes confrères et consœurs. Effectivement, ça relève du gouvernement provincial. Écoutez, c'est quand même assez loin aussi, comme Mme Dufresne l'a dit. Il faudrait peut-être qu'on se rafraîchisse la mémoire avec la résolution et nos dossiers là-dessus. Merci. Merci, Mme Charbonneau. Donc, M. Auger. Attendez que je trouve mon bouton. Bon, c'est beau, oui. Le même principe, là, moi aussi, donc j'ai aucune compétence dans ce domaine, ni la ville. Donc, c'est un dossier provincial. Je pense qu'on a déjà essayé de pousser le dossier. Peut-être qu'on peut reformuler quelque chose au ministère approprié. Mais je pense que c'est du domaine provincial. Oui. Merci, Gendron. Rapidement. D'abord, moi, je m'adressais à M. Langlois dans le sens suivant. J'admire votre ténacité. Rapidement, monsieur Gendron, rapidement. Juste répondre à la question, monsieur Gendron. C'est très bien, puis j'aime ça voir ça. Malheureusement, un peu comme les confrères disent, moi, c'est pas mon secteur en plus. Je m'en fais peu parler de mon côté. On a fait une résolution, comme M. Berthaud avait dit. Je pensais que ça avait peut-être avancé. Il semble que non. Peut-être avec M. Lemieux, ça avancera un petit peu plus vite. Alors, peut-être aller voir de son côté à lui aussi. Là. Merci, M. Gendron. Mme Charbonneau? Ben oui, effectivement. Là, je voulais rappeler qu'il y avait eu une résolution en appui, qu'il y avait des démarches qui ont été... Ensuite, c'est la MRC, finalement, là, qui peut faire les modifications au schéma d'aménagement. Puis, par la suite, le gouvernement qui doit... les approuver, collaborer. Je sais qu'il y a d'autres enjeux avec la zone d'inondation, les cotes et tout ça dans la MRC. Fait que, oui, je veux dire, M. Lemieux peut certainement nous aider. Puis en ce moment, bien, il y a une grande conversation nationale sur l'aménagement. Puis ça, ces questions-là sont discutées. Fait que c'est peut-être une opportunité pour vous et pour bien les municipalités de faire valoir ces points-là. Là. Merci. En conclusion, rapidement, M. Fontaine. On dirait que tu es dans un poste de police, Jean. S'il vous plaît. Oui, ça se peut. J'ai besoin de mon éclairage ce soir. Non, je ne répéterai pas tout ce qui a été dit. C'est franchement clair. Le seul petit ajout nouveau que je pourrais dire, c'est que je n'ai pas bien le goût de répondre à des questions de M. Langlois compte tenu de ce qui se passe présentement chez vous. Je trouve ça très, très, très déplorable ce qui se passe chez vous présentement, M. Langlois. On ne parle pas de ça. Là. Réponds à la question. Là. Donc, ce que M. Fontaine fait référence, c'est que, je pense que M. Langlois, vous avez eu la visite de la Fonde, du ministère de la Fonde aujourd'hui, parce que vous avez décidé de domper finalement de la terre, des roches dans la rivière directement. C'est faux. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Donc, les photos qu'on a vues, c'est des fausses photos? Vous travaillez comme des professionnels d'utiliser les cartes et les cotes. Merci, M. Langlois. Votre 5 minutes est largement dépassée. Donc, on va passer maintenant à M. Richard Dumont. On n'a plus 10 minutes, là? Non, on a 5 minutes, puis on est déjà rendu à 8 minutes et demie. Donc, merci beaucoup, M. Langlois. Donc, on est rendu maintenant à M. Richard Dumont. S'il vous plaît, M. Langlois, je vous demanderai de laisser la place à M. Dumont. Votre tactique, là. S'il vous plaît, monsieur. Merci, M. Langlois. Merci beaucoup, M. Langlois. Bonsoir, M. Dumont. Oui, bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Richard Dumont. Il y a juste Mme Marcoux qui me connaît ici parce que c'est la première fois que je viens. J'étais un tout nouveau. Là, et vous êtes la bienvenue. Merci. Je reste sur la rue des Blédards, c'est à l'Acadie, à le secteur de l'Acadie. Ici, personne ne doit connaître ça, sauf Mme Marcoux. On connaît ça. Vous connaissez ça? Votre question, monsieur... Oui, c'est au sujet de les fossés. De? Les fossés. Là, cette année, ça a l'air que vous ne les fauchez plus. Là, vous nous avez mis une diversité dans notre rue. OK. À ce printemps-là. Dire comme de quoi qu'on laissait tout pousser dans notre rue. D'autres, notre rue, elle a un demi-kilomètre de long. Puis, elle ne débouche pas, notre rue. Là. C'est une rue de cul-de-sac. OK. Puis là, on a une maison à toutes les 105 pieds. Allez, ça va être beau, ça, une rue de même. Là, dans notre rue, là, je vais diviser en trois. Il y a le tiers que les fossés sont fermés. Il y en a le tiers qui les entretiennent. Puis il y a un autre tiers qui ne s'en occupe pas. Okay? Vous voulez dire quoi, entretiennent? C'est des pénouilles puis d'un fragmite, là. OK? C'est à 6-7 pieds de haut d'un fossé, là. Ça fait une belle rue, ça, là. L'année passée, ils nous coupaient nos fossés dans le fond des fossés.
deux fois par année, avant. Je me suis battu longtemps pour ça, là. Puis là, cette année, on ne fait plus rien. Là, la diversité, là, ils l'ont arrêté, là. Hein. À Saint-Jean, ils ont tout arrêté ça, là. OK, les terres pleines, les fauches toutes, là, ils ont tout arrêté ça cette année, là. Mais nous autres, ils ne m'ont pas envoyé une lettre comme de quoi qu'ils avaient arrêté ça, là. OK? Mais ils m'avaient envoyé une lettre comme de quoi qu'il y a la diversité dans ma rue. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ma rue. Hein, il y a une rue, une maison à toutes les 100 pieds, puis ça va être beau, ça. Et moi, je veux que j'aille le minimum de deux fauchages par été. Ça, c'est un minimum, ça, là. Je ne demande pas des merveilles, là. Ça, c'est un minimum que je demande. Vous les entretenez, vos égouts en ville? Vos égouts pluviales en ville sont entretenus. Et des machines siphonneuses viennent les pomper. Vous les entretenez. Là, les fossés, vous ne les entretenez plus. M. Parizeau, il me dit, il était venu une fois dans ma rue. Il dit, on laisse la nature aller. Il dit, on ne fait plus ça, mais on laisse la nature aller. Là, il y a un beau raisonnement. Là. Moi, je paye des taxes, c'est le même montant qu'à Saint-Jean. Là. J'ai le même taux de taxes qu'à Saint-Jean. N'oubliez jamais ça. Je paye le même taux. Puis j'ai aucun service là-dessus. Là. Des fossés, ça déborde. Moi, chez nous, j'ai toujours un pied d'eau en avant de mon fossé. Qu'il fasse sec, qu'il fasse pas sec, il y a toujours un pied d'eau. Moi, mon fossé, il y avait 6 pieds de large. Allez donc entretenir un fossé de 6 pieds de large avec un ouïtiteur. Il n'y a plus 6 pieds de large? Là, il n'y a plus 6 pieds de large parce que je les rapetissais tout au pied, moi. Moi, j'ai charrié de la terre avec mon petit trailer. Je l'ai mis à 3 pieds de large. Il la lâche pas sûr que... Vous aviez le droit de faire ça. Hey, monsieur Laplante, un fossé, moi, mon tuyau, il y a 18 pouces de diamètre. OK, la cuvette, elle n'est pas supposée de dépasser 18 pouces de diamètre. Elle n'a pas de raison de dépasser 18 pouces de diamètre. 6 pieds, c'est rendu une rivière quasiment. Là. C'est pas normal, là. Un fossé, c'est fait pour couler l'eau. OK? Moi, je ne suis pas un bassin de rétention chez nous. Ce n'est pas un bassin de rétention que je veux. Là. Le fossé, est-il plus large devant chez vous que devant les autres maisons? Il est comme ça sur toute la rue? Il est un peu partout, il est comme ça. Là. Un peu partout, c'est large. M. Parizeau, vous avez-tu dit pourquoi il était large spécifiquement chez vous ou non? On sait-tu pourquoi? Parce que quand la ville l'ont fait il y a 20 ans, ils ont creusé ça large. C'est la ville qui a enlevé à terre. Ils l'ont fait quand on a eu en 21 ou en 22. En 2001 ou en 2002, ils ont refait les fossés. Après la fusion, là. Depuis ce temps-là, ils n'ont rien touché à ça. Les fossés, ça ne s'égoutte pas. Mais pas grave, ils demandent. Ça déborde-tu au printemps? Non, je dis non. Ben, ça l'eau monte haute, mais ça ne déborde pas. Là. Ben, c'est correct. Une bonne réponse encore. Donc là, si je comprends bien, votre question ce soir, M. Dumont, c'est de vous demander à la Ville d'abandonner son projet pilote là, de gestion diversifiée sur la rue des Blédards. Ça l'est abandonné, ça. Là, si vous me permettez. Allez-y, Mme Marcoux. Oui. Comme M. Dumont vient de commencer à le dire, là, j'ai eu un téléphone de M. Dumont pour m'aviser qu'il avait reçu une lettre pour dire qu'il ferait de la diversité, qu'il faucherait plus les fossés sur la rue Blédard. J'étais intervenue en plénier. Monsieur Bessette doit s'en rappeler parce que je pense qu'il était dans le même sens que moi. En plénier, j'ai demandé à ce qu'on aille faucher les fossés sur la rue des Blédards et sur le chemin des Patriotes. Je trouvais que ce n'était pas vraiment une bonne idée. On l'a fait. J'ai reçu un autre téléphone de Monsieur Dumont. J'ai retourné l'appel encore une fois. J'ai discuté avec Monsieur Parizeau. Monsieur Parizeau m'a envoyé des photos et il m'a dit que le fossé avait été fait selon le contrat qui avait été octroyé au contracteur qui fait les bords de chemin. J'ai reparlé cet après-midi avec M. Dumont. M. Dumont me dit que oui, ils sont allés faire le plat du fossé, en fin de compte. Là, ce qui le fond? Est suite non, après, pas le fond. Non, pas le fond. Non, le plat, là, égal le à la rue. Le de l'asphalte. Mais M. Dumont... me disait que lui, il aimerait ce qu'il fasse le fond, autrement dit, l'autre, là, descendre la main puis faire plus bas. Puis là, ben, j'étais rendue à parler avec M. Dubois demain, parce que je vais passer une partie de la journée avec lui demain, dans un autre dossier, mais j'étais pour y en parler, mais là, j'ai pas eu le temps.
OK, bien, on vous reviendra, madame, monsieur. Rien qu'une seconde, madame Marcoux, si vous me permettez, il faut vous demander que ça soit fait comme qu'on avait fait il y a 2 ans, avec un bras télescopique. C'est ça. Parce sinon, ils vont avec une coune, c'est stoupi. Puis ils font juste le bord. Si on veut que le fond soit fait, comme on avait demandé il y a 2 ans, comme Richelieu faisait, c'est ça. Avec un bras télescopique, il faut demander le bras télescopique pour faire c'est le fond. Ça merci. Faisais. C'est ça qu'ils ont fait l'année passée. Moi et tout. Un petit secret, j'étais en campagne, moi et tout, puis j'avais même affaire. C'est ce qu'on a. Hey, merci beaucoup. Moi, je suis zoné blanc, moi, là. Ouais, hey, on n'est pas en campagne, moi, monsieur Bessette. Merci, monsieur Dumont. Je vous disais que je ne suis pas en campagne, on est dans une rue. Parfait, on vous a bien. On a bien compris votre question. En ville, là. On a bien compris votre question. On vous revient prochainement. Vous m'en revenez. Je vais savoir ça comment. Mais là, je comprends que Mme Marcoux est déjà en contact avec vous. Il faut que j'imagine que vous allez en entendre parler avant la prochaine séance. Mais aussitôt qu'on a des nouvelles, on vous... Bien, on lui donne la réponse, là, M. le maire, ce soir. La demande qu'on a faite en plénier, M. Dubois, parfait, c'est d'avoir le même entretien qu'il y a 2 ans avec le bras télescopique. Fait qu'il reste juste à faire l'agencement avec les travaux publics. Parfait. Puis M. Dumont va voir arriver ça. La fière affaire de la rue. Excellent. Donc, merci, M. Dumont. On est rendu maintenant à M. Gilles Hébert, suivi de Mme André Bouchard. Tout à fait. Bonsoir, M. Hébert. Bonsoir, M. le maire. Alors, ça va bien? Oui. Le 7 juillet dernier, l'électorat de Saint-Jean vous a vu, vous et Mme André Bouchard, au téléjournal de Radio-Canada concernant les projets de développement proposés sur 2 terrains zonés golf à Saint-Jean. Je cite le propos de Mme André Bouchard. « J'aimerais vraiment que les citoyens soient en amont des projets, pas qu'on essaie de leur rentrer dans la gorge les projets. » Fin de citation. Monsieur le maire, voici des faits. Des projets qui ont été rentrés dans la gorge des citoyens. 1. L'école de pilotage, à qui on a donné un contrat au lendemain de la soirée de consultation. Contrat que Jean Fontaine a défendu à cette table durant des semaines. 2. Le dézonage proposé par l'ancienne administration du club de golf de Saint-Jean, contesté par les riverains. Dézonage appuyé par M. Jean Fontaine, qui, de plus, leur refusait le droit au référendum de l'article 127 à l'émission ericlatour.com du 15 novembre 2018 et qui n'a pas répondu à une question au sujet de ce refus le 23 avril 2019 à cette table. 3. Le projet PER, que Jean Fontaine a défendu en disant à l'électorat d'attendre qu'il soit en place avant de se plaindre et qui, de mémoire, n'a pas dénoncé, Yvan Berthelot, Marco Savard et le préfet de la MRC, Réal Ryan, qui ont demandé un décret de dézonage à François Legault pour entrer dans la gorge des citoyens, ce projet. 4. Le projet Dimalo, de centre commercial dans Saint-Eugène. Madame Dimalo est la fille et ex-associée d'un mafieux influent condamné pour meurtre et blanchiment d'argent, selon le Journal de Montréal. Votre question, monsieur. Du 11 juin. Votre question, monsieur Hébert. Oui, je vais terminer la présentation. Des faits. Rapidement. C'est pas n'importe quoi. Selon ce journal, Mme Dimalo avait un 60 millions confidentiel à placer. Ce projet a été rentré dans la gorge de l'électorat par Jean Fontaine, qui leur a enlevé le 6 juillet 2015 le droit au référendum de l'article 127 en faisant, à l'aide de Christiane Marcoux, un tour de passe-passe administratif à la MRC. Mme André Bouchard, qui nous a dit qu'elle aimerait qu'on n'entre plus dans la gorge de l'électorat des projets menés comme ceux-là, a choisi d'intégrer dans son équipe Jean Fontaine, impliqué dans les 4 exemples précédents. Ce même journal, la même date, soit le 11 juin 2018, a rapporté vos paroles, M. le maire, concernant le projet Dimalo. Je vous cite. « J'aurais jamais laissé aller une démarche comme ça. La Ville a fait indirectement ce qu'elle n'a pu faire directement. Ce qui m'achale le plus, c'est comme ça, c'est comment ça s'est fait. » On a mis ça dans les dents des citoyens. Fin de vos citations. Or, le 8 et 30 mars 2021, en se référant à cet article, Jean Fontaine a prétendu devant l'électorat que vous aviez, M. le maire, déclaré dans cet article être contre un projet de centre commercial dans Saint-Eugène. À la lecture de vos propos rapportés par le journaliste, un mensonge près, là. On comprend bien que... Excusez-moi, je vais reprendre. À la lecture de vos propos rapportés par le journaliste, on comprend que, bien avant Mme André Bouchard, vous dénonciez tout projet
entrer dans la gorge des citoyens. Deux questions à Jean Fontaine. Jean Fontaine reconnaît-il qu'il a entré dans la gorge de son électorat le projet d'Imalo en leur enlevant leur droit au référendum de l'article 127 par un tour de passe-passe administratif à la MRC? Et deuxième question, reconnaît-il à cette table avoir trompé l'électorat à votre sujet, M. le maire, concernant le projet de centre commercial dans Saint-Eugène, puisque preuve à l'appui, vous y dénonciez ce que justement sa chef de parti, Mme André Bouchard, a semblé vouloir dénoncer à Radio-Canada le 7 juillet? Merci, M. Hébert. M. Fontaine? Ma réponse va être très, très, très courte. M. Hébert, je n'ai aucunement l'intention de discuter avec vous de quelque projet que ce soit. Ce que je suis en train de faire présentement, je discute avec mes citoyens de Saint-Eugène. Ils vont se prononcer le 7 novembre, M. Hébert. On s'en parlera après le 7 novembre. C'est toute la réponse que j'ai. Merci, M. Hébert. Merci. Donc, Mme André Bouchard, suivie de Jessica Racine-Lehoux. Puis, monsieur, je pense que vous voulez parler, votre nom? Je pense que vous aviez envoyé une question écrite, donc c'est bien que vous soyez là. Bonsoir, Mme Bouchard. Bonsoir, monsieur le maire. D'abord, d'entrée de jeu, je vous remercie pour la réponse à ma question de la dernière séance. Évidemment, ce n'était pas tout à fait ce que j'attendais, puisque j'aurais souhaité un amendement. Toutefois, j'ai bien compris que les entrepreneurs avaient le fardeau de la preuve et qu'ils pourraient demander une dérogation. Alors, voilà. Exactement. Donc, puis le règlement ne s'applique pas non plus aux entreprises existantes. Donc, vous évoquiez la semaine passée des entreprises de transport. On ne leur demande pas demain matin de défaire leurs installations. Là, donc, non, j'avais tout à fait compris ça. Maintenant, ma question pour ce soir. J'aimerais avoir un bilan détaillé des frais d'avocat par dossier à partir de novembre 2017 jusqu'à ce jour. Puis je dis bien jusqu'à ce jour parce que je sais qu'il reste quelques audiences sur des plaintes de harcèlement et des manquements à l'éthique. Alors, c'est ce que j'aimerais avoir. Parfait. On vous fournira la chose. Je vous remercie beaucoup. Merci, Mme Bouchard. Mme Jessica Racine-Lehoux. En fait, j'ai une question écrite que j'ai évidemment écrite. Puis, il y a quelques considérants, puis la question est à la fin. Allez-y. Donc, les considérants, c'est la description des faits. Donc, en fait, c'est au sujet de plusieurs lots dans le district 12. C'est au sujet des lieux, ben, si ça vous tente d'écrire, je vais les dire vite, là, mais 3 641 599, 3 911 969, 3 911 970 à 977. Donc, considérant que ces lots sont dans le district 12, dans le secteur 420-Saint-Luc, que ces lots sont situés sur une rue à développer qui donne sur la rue Fleur-de-Lys et tout près du croissant des œillets, que mon intervention provient de quelques citoyens de Saint-Jean et des propriétaires du lot A-2092, considérant que la rue à développer apparaît clairement sur le site web InfoLot, considérant que la CPTAQ autorise guillemets, l'aliénation, le lotissement, l'utilisation d'une fin autre que l'agriculture sur ces lots, dans le cadre du dossier 5516D-062254, et ce depuis le 30 juin 1983, et considérant que la CPTAQ décrit les lieux comme étant un secteur déstructuré correspondant à un développement résidentiel, et que l'affectation de ce secteur... Avez-vous un écrit de la CPTAQ là-dessus, ou c'est juste les citoyens qui vous ont transmis cette information-là? Non, j'ai des jugements là, que je peux toutes sortir, je les ai cherchés sur Calny. Et que l'affectation de ce secteur demeure résidentielle, mais qu'en raison de documents récents, elle refuse son exclusion, considérant que les propriétaires ont en leur possession un certificat de localisation datant du 17 mai 2020. Qui refuse l'exclusion de la CPTAQ? Donc, décrit les lieux, je vais reprendre mon paragraphe, j'allais vraiment citer mot pour être correct. Donc, décrit les lieux comme étant un secteur déstructuré correspondant à un développement résidentiel et que l'affectation de ce secteur demeure résidentielle, mais qu'en raison de documents récents, elle refuse son exclusion. C'est des documents. OK, la CPTQ refuse. Donc, tantôt, vous avez dit que la CPTQ acceptait, puis là, vous venez de dire que la CPTQ refuse. Exact, exact. C'est ça les faits, là. Je vous décris les faits comme qu'ils sont.
Ensuite de ça, considérant que les propriétaires ont en leur possession un certificat de localisation datant du 17 mai qui souligne la présence de la première décision de 83 qui autorisait, considérant la réponse de Mme Julie Lafrance de la Ville de Saint-Jean, qui date du 31 mai 2021, qui indique que l'ouverture de rue n'est pas conforme au plan d'urbanisme ni au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Il revient donc à dire que ces terrains ne pourront pas être développés dans les années à venir. Ça, c'est la réponse de Mme Lafrance. Ensuite, considérant l'absence de réponse depuis mars 2021, ça, c'est les citoyens de la conseillère municipale en poste pour le secteur. Considérant aussi que les citoyens en question m'ont appelé moi-même en février 2021, qui m'ont rencontré en avril 2021, que j'ai plusieurs échanges de courriels avec eux et d'ailleurs des messengers, beaucoup de messengers aujourd'hui. Considérant que les citoyens se retrouvent actuellement sans domicile fixe suite à ce dossier et vivent actuellement de leur roulotte, sachant que les citoyens en question veulent vendre leur terrain, que des promoteurs désirent l'acheter et y construire les infrastructures nécessaires, que la position de la CPTQ a été énoncée plus haut, mais que l'immobilisme de la ville nuit à ses citoyens, considérant aussi que les citoyens ne savent plus vers qui se tourner pour avoir des réponses concordantes et une fin à leur dossier, ma question, mais celle des citoyens, est aussi la suivante. Vers quelle date ou alors dans quel délai les citoyens concernés peuvent-ils envisager que leur terrain soit construisible? Vous savez que ces terrains-là, c'est des terrains qui sont boisés, qui sont zonés agricoles. Non, ils ne sont pas zonés agricoles, ils sont zonés résidentiels. Ils sont boisés. Non, ils ne sont pas boisés. Mais on, je ne suis pas sûr de c'est la ligne... de parler des mêmes terrains. Fait que, on va vérifier les numéros de l'eau, à moins que Mme Charbonneau, Marilyn Charbonneau, je sache de quel lot on parle exactement, mais je ne pensais pas qu'on parlait des mêmes lots. Non, on parle du nouveau croissant de rue à côté de Desoeillets. J'ai tous les numéros de lots devant moi. C'est le nouveau croissant. On sait-tu où ces dossiers-là sont dans les priorités de développement? C'est des zones qui ne sont pas agricoles et qui n'ont pas de boisés, ils doivent être dans nos priorités de développement? Ils n'ont pas de boisés, ils ne sont pas agricoles, puis ils sont à côté de la rue Fleur-de-Lys vers l'usine d'épuration. Donc, ils doivent être dans notre liste de priorités de développement, mais là, il faudrait vérifier où sont exactement ces lots-là. Ben, je peux le dire. Si la CPTAQ a refusé. Il y a beaucoup d'incohérences, ça ne marche pas. Non, c'est mais c'est. La CPTAQ refuse l'exclusion, oui. Mais les terrains ne sont pas agricoles. Oui, effectivement. Ben, c'est d'où est l'enjeu de ce dossier-là? Là? Pas le contraire. Là. OK, bien, on va regarder les numéros de l'eau, puis on va vous donner exactement l'état. Bien, on les a pris en note. Là, de toute façon, à l'enregistrement, on a le... Bien, je vais les redire juste pour être sûr. Non, c'est correct. Tout est enregistré, donc vous n'avez pas besoin de le répéter. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Bien, c'est vraiment le délai parce que les gens, ils m'ont appelé sérieusement. Là, ces gens-là, ils vivent vraiment dans leur roulotte, puis c'est pas très drôle là, pour eux autres. C'est vraiment un petit peu urgent. Là. Ils vivent dans leur roulotte, puis leur maison passe au feu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ils vivent ailleurs, mais ils ont le terrain. Ils ont ce terrain-là à Saint-Jean, mais ils vivent ailleurs dans une autre ville au Québec. Puis là, ils voulaient vendre ce terrain-là pour déménager à l'étranger. Mais pourquoi ils vivent dans leur roulotte? C'est quoi le rapport? Parce qu'ils n'ont pas leur maison. Ils attendaient cette transaction-là pour bouger. Bref, c'est pas leur vie privée, là, mais à cause de ça, ils m'ont expliqué à maintes et maintes reprises qu'ils sont en problème. Merci beaucoup. Est-ce que c'est correct? C'est correct. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Jessica Lehoux. On passe maintenant au M. Kandal. C'est bien ça. Excusez-moi, je ne prononce peut-être pas bien votre nom. Bernard Kendall. Vous nous avez envoyé une question par écrit, M. Kendall, relativement à l'asphaltage de la rue Reed. Vous sembliez avoir une pétition à nous déposer. Ah, non, c'est pas moi. J'ai reçu une lettre qui m'indique que nous disons... Est-ce que c'est possible de parler dans le micro pour qu'on puisse bien vous entendre? Je m'excuse. Vraiment, ça, non. Okay, je m'excuse. Désolé. Non, j'ai reçu une lettre qui m'indique que nous aurons vous informé que nous avons bien reçu votre demande relative au pavage d'un tronçon de la rue Rive. Je n'ai pas fait de demande. Ah! Je n'ai pas fait de demande. C'est une pétition. J'ai communiqué avec M. Benoît Fortin. Oui. Puis là, j'ai demandé, je n'ai pas fait de demande. Là, il m'a mentionné que c'était une pétition des gens, des citoyens sur la rue Rive qui avaient fait cette demande-là pour une pétition. Puis votre nom, tu n'as pas ça à la liste? Non, j'ai rien demandé. J'ai pas signé mon nom. Il y a eu une pétition qui a été faite, si vous me permettez. Il y a une pétition qui a été faite des gens de la rue Reed pour avoir la majorité pour asphalter la rue Reed. Exact. À partir de là, tous les gens de la rue Reed sont avisés qu'il y a une majorité de gens qui l'ont eu, que vous soyez, que vous ayez signé ou pas la pétition,
vous êtes avisé parce que vous faites partie de la rue Reed. Admettons qu'ils arrivent et ils font une boue de rue Reed, ils ne sauteront pas la façade de votre maison. Là. Non, c'est je suis tout. Entièrement d'accord, c'est mais c'est le prétexte qui dit que nous avons reçu bien votre demande. Ah, bien... Wow. C'est la lettre, la façon que tu as dit. Ça, c'est corrigé. Ouais. On va passer à ma question. Si vous me permettez, vous avez raison. Je peux répondre... Allez-y, monsieur. Cet aspect-là, c'est que la demande qui a été reçue, effectivement, par Benoît Fortin, il l'a transférée. Je travaille au service du greffe, où on reçoit les demandes d'accès à l'information. Donc, vous pouvez remplir une demande d'accès à l'information en ligne, mais pour d'autres demandes comme ça, ça nous est transféré. Et la lettre que vous avez reçue, c'est la lettre d'accusé-réception qu'on envoie à toute personne qui fait une demande d'accès à l'information. C'est une copie collée, mais qui me donne un monsieur personnalisé en indiquant vous avez bien reçu votre demande. Mais ma question... Monsieur Kendall, vous avez raison. On va peut-être revoir le verbatim de la lettre pour des citoyens comme monsieur Kendall qui n'a pas reçu de lettre. On pourra... Bon, là, ce n'est pas grave. On en a déjà... Okay, on va revoir la formulation pour qu'il n'y ait pas créé de confusion. Ben, ça m'a fait sauter rapidement. Ouais. OK, c'est ça qui est venu me toucher rapidement. Puis l'autre mise en situation, la rue Reed, qui équivaut à peu près à 500 mètres. Ouais. Sur les 500 mètres, il y a différentes, OK, du nord, nord au sud, qui est la rue Reed. Sur environ 350 mètres, il y a des habitations. Sûrement, ces gens-là ont signé cette pétition en accord à ce projet-là. Mm-hmm. Il y a environ 150 mètres. Il y a deux rues. Il n'y a aucune maison. C'est des raisons où on est dans une zone inondable de 0,20 ans. OK. Puis que là, ils veulent faire... Là, ils mentionnent qu'ils vont faire des investigations au forage pour savoir si le sol est adapté à faire un pavage. Moi, je dis, si toutes les réalisations sont bonnes pour ces citoyens-là, pourquoi faire... Là, j'essaie de vous expliquer, c'est pas évident, mais j'ai fait des maps qui vont vraiment vous indiquer la mise en situation. Il n'y a aucune maison. C'est quoi votre question? Faire un pavage. Je ne voyais pas pourquoi de faire un pavage quand il n'y a aucune maison, aucune habitation qui est sur la rue Reed, sur une portion de la rue Reed. Ben, moi, je dis, pour économiser, faites ce qui sont la dernière maison des citoyens. Ouais. Pour faire le pavage. Et ceux que, comme puis on saute un bout, il n'y a pas de maison, on descend en gravier. Puis, il n'y a pas de maison. C'est ça, mon incompréhension. Pourquoi? Je peux vous donner les feuilles pour comprendre un peu ce que j'essaie d'expliquer, parce que ce n'est pas non plus... Mais bon, je pense que j'ai compris, M. Bessette, avez-vous compris? Oh oui. La rue Desbouleaux, puis la rue... Entre Desbouleaux puis Cerisier, dans le fond, vous me parlez. D'arrêter à la rue Desbouleaux, parce que la rue de la Bottine, la rue Desbouleaux, il y a pas de juste comme ça, on est présentement, même pas tout de suite à l'étape, c'est une super bonne suggestion, mais on est déjà, on est juste présentement à l'étape de faire une évaluation de coûts. On n'est pas tout de suite à l'étape d'asphalter, là, pour ne pas vous penser qu'on est comme... On est à l'étape préliminaire, que là, on a eu la première étape quand on fait... Quand on fait pour de l'asphaltage, c'est qu'on rencontre les gens. Il nous faut 60 % des gens qui sont d'accord à ce qu'on ait de l'avant. Après ça, on va avoir une évaluation de coûts. Puis par la suite, bien là, il faut que les gens acceptent les coûts, là. Fait qu'on est encore à l'étape que ce bout-là pourrait être retiré, mais si on n'a pas eu la première présentation, il va y avoir une présentation qui va être faite avec tous les gens qui sont touchés en salle. Puis à partir de là, on va pouvoir comme se réadapter. Mais ce bout-là, effectivement, ça pourrait être enlevé ou la roue pourrait même être enlevée, mais... C'est sûr que, de toute façon, c'est le principe, c'est on va voir pour les coûts pour l'asphalte au total. Ah, c'est parfait. Oui, vous avez compris un peu ma revendication. Ouais, c'est, bon, puis c'est vraiment boulot. Merci, M. Kendall, pour votre intervention. Ben, désolé pour le problème de confusion. Ben, je peux les documents, est-ce que je peux les remettre à quelqu'un pour vous donner une idée un petit peu de la situation? Ben, peut-être les remettre au conseiller, peut-être. Je ne pense pas que c'est nécessaire de les déposer à la Ville. Ah, ça, c'est comme on disait, c'est le modèle que la ville... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était la dernière question en présentiel. Nous avons reçu quelques questions par Internet. Donc, voilà, je vous en fais part rapidement. Là, il y a beaucoup de questions. Là. Peut-être qu'on va dépasser un petit peu le temps, mais vous vous souvenez, le mois passé, il y avait des questions qui ne s'étaient pas rendues au conseil. Donc, j'en ai toutes les questions de la semaine passée. Dans le fond, je vais vous en faire part présentement. Donc, le 20 juin dernier, Monique Falcon nous avait posé la question suivante. Bien qu'au calendrier du club de tir de l'Acadie pour le 20 juin, il soit écrit « Tournoi terminé avant 14 heures le 20 juin »,
Est-ce que la Ville a donné une permission spéciale pour que les tirs au pigeon d'argile puissent se terminer plus tard, soit vers 15h20? Sinon, est-ce que le champ de tir sera mis en infraction car plusieurs témoins peuvent confirmer cette prolongation de tir au pigeon d'argile? 3. Est-ce qu'il sera avisé officiellement par la Ville de respecter ses propres écrits? Donc, voici la réponse qu'on me soumet, Mme Falcone. Selon le règlement 527 applicable sur le bruit, il est effectivement interdit que les activités de tir au pigeon d'argile dépassent 14 heures le dimanche. Toutefois, notre règlement permet que les activités de tir au pigeon d'argile soient permises de 10 heures à 15 heures à raison d'au moins deux dimanches, sauf les quatre derniers dimanches du mois de juillet. Donc, voilà votre réponse, Mme Falcone. Mme Lynn Saint-Onge nous avait également posé une question le 21 juin dernier. « Bonjour, M. le maire, conseiller-conseillère. Je suis une résidente du quartier Saint-Gérard. En 2019, à la suite d'une étude de la Direction de la santé publique concernant des nuisances dans mon quartier, un lien sur le site de la Ville, signalement des nuisances de sources industrielles, quartier Saint-Gérard, avait été créé pour en suivre l'évolution. Au début du mois de juin 2021, la Direction de la santé publique nous a avisé par courriel qu'elle mettait en suspens le formulaire de signalement en ligne et nous a invités à signaler les épisodes de nuisances intenses directement à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Lorsque nous cliquons sur le lien en question, le site de la Ville, ça nous indique que c'est fermé. Question 1. Si nous constatons des nuisances et que nous faisons une plainte en ligne sous l'onglet « Signalement de nuisances », serait-elle traitée et comptabilisée en fonction et en application de la réglementation municipale? Donc, la réponse à votre question, Mme Saint-Onge, c'est oui. Et question 2. Qu'advient-il de la reprise du terrain par la Ville de celle-ci, que celle-ci loue à 2M Ressources? Excellente question, Mme Saint-Onge. Mais comme vous savez, ce dossier-là est présentement devant les tribunaux. Donc, on va s'abstenir de tout commentaire. Troisième question, Mme Brigitte Letourneau, toujours le 21 juin dernier. Elle nous posait la question suivante. Lors de la séance du 25 avril 2021, au point 12.1.5 SA 2850 TP-21P, le conseil de ville a accordé à Carrière Bernier, propriétaire du club de tir de l'Acadie, une somme de 141 016 sous, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison de ciment. Est-ce acceptable, selon la Ville, que les résidents vivant à proximité du club de tir soient toujours soumis, non pas au supplice de la goutte, mais par celui des coups de canon? Donc, la réponse à votre question, Mme Letourneau, c'est non, ce n'est pas acceptable. Voyez, veuillez noter que les détonations dépassent presque toujours 80 dBA selon les mesures sonométriques de l'application Smarter Noise, sachant que les normes maximales sont de 45 dBA pour le ministère de l'Environnement et de 60 dBA pour la Ville. Imaginez notre stupéfaction en apprenant qu'une partie de mes taxes vont dans les poches d'un citoyen corporatif qui ne manifeste pas de respect pour son voisinage. Pour terminer, vous trouverez en pièce jointe le tableau des relevés sonométriques effectués à mon domicile. Merci d'être à notre écoute. Mme Letourneau, le 21 juin dernier, nous avait également posé la question suivante. Concernant le club de tir de l'Acadie et toutes les nuisances sonores sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce que le conseil de ville peut demander à son service de police d'étudier la possibilité d'offrir aux policiers une formation au même titre que celle qui mesure la vitesse avec un radar, de procéder à des relevés sonométriques de nuisances sonores? Donc, Mme Letourneau, selon le directeur de notre service de police, la réponse est non, ce n'est pas possible, puisque c'est beaucoup trop complexe, semble-t-il. Mme Letourneau poursuit en disant « L'utilisation de cet outil de mesure permettrait à la Ville de faire respecter son règlement sur le bruit non essentiel qui sont associés à de mauvaises pratiques industrielles, commerciales et de loisirs, afin de forcer ceux qui les génèrent d'apporter des rectifications pour améliorer la santé des citoyens et de l'environnement. Merci. » Donc, Mme Letourneau, on doit savoir que les tests pour les bruits en lien avec le club de tir de l'Acadie sont faits par une firme spécialisée
Ce ne sont pas les mêmes gens de l'urbanisme qui les font en raison de leur complexité. Les employés du service de l'urbanisme de la ville font des vérifications par sonomètre lorsqu'il s'agit de bruits continus. Pour les bruits ponctuels ou occasionnels, ils font également affaire avec une firme spécialisée. Monsieur Miroslav Smereka, le 21 juin dernier, nous posait la question suivante. Pourquoi il n'y a pas de feu vert clignotant pour les automobilistes arrivant par la rue des Échevins au boulevard Saint-Luc et qui désirent tourner à gauche en sécurité pour aller chez Pasquier? C'est une excellente question. J'ai été voir sur place et il existe actuellement un feu vert clignotant de l'autre côté. Donc, lorsqu'on arrive de la rue Bernier, il y a un feu clignotant qui donne priorité pour le virage à gauche, qui n'est pas le cas de l'autre côté, semble-t-il. Donc, j'ai demandé à vérifier pourquoi c'était possible d'un côté, que ce n'est pas possible de l'autre côté. Il y a aussi une problématique par rapport à ce coin de rue-là. On va en parler tantôt lors de la question de M. François Blais, mais il y a une problématique de nombre de voitures à cette intersection de rue-là. Donc, j'ai demandé au comité de circulation d'étudier, de nous répondre techniquement pourquoi ce n'était pas possible de donner cette priorité-là pour la sécurité des citoyens qui veulent tourner à gauche. Merci, M. Smereka, pour votre question. Le 21 juin dernier, M. Normand Fauché nous posait la question suivante. À l'absence des activités des cadets, les écoles de pilotage de Dorval et de Saint-Hubert inondent systématiquement l'aéroport de Saint-Jean de poser décoller à toute heure, les soirs, les samedis, les dimanches, passage aux 2 minutes à 47 mètres au-dessus des maisons, produisant ainsi 88 dBA jusqu'à 23 heures et plus, à des vitesses de 150 à 200 km/h. Pourquoi ce qui n'est pas bon chez eux est bon à Saint-Jean-sur-Richelieu? À 47 mètres, c'est à 150 pieds, 4 fois la hauteur des poteaux d'Hydro-Québec, qu'un avion vous passe au-dessus de la tête lorsque vous relaxez dans votre spa, c'est infernal. De plus, nous constatons l'acharnement des écoles de pilotage à effectuer des manœuvres répétitives, les soirs tard, les soirs de semaine. Les trajets et données de vol en annexe, il s'ajoute aussi des passages d'hélicoptères très, très bruyants. Première question, est-ce le climat sonore que les élus et le conseil veulent sur notre territoire? Monsieur Fauché, je réponds à mon nom personnel. La réponse est non. Question 2. L'interférence avec la parole étant au niveau de 64 dBA, nous suggérons cette norme. Quel niveau maximum de bruit la Ville entend faire respecter sur son territoire, étant donné que le règlement municipal de bruit prévoit déjà la limite de 60 dBA le jour et 55 dBA la nuit? La Ville s'engage-t-elle à les établir en accord avec la santé publique? Question précédente restée sans réponse. Qu'attend la Ville afin d'obtenir et de faire respecter des restrictions afin de régler le problème qui dure depuis des années, septembre 2020? Quelles balises la Ville entend faire respecter? Comme vous savez, M. Fauché, ou plutôt, vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, la Ville ne contrôle pas tout ce qui est vol aérien. La Ville a mis sur pied cependant un comité de gestion du climat sonore, dont un représentant de Vigilance Aéroport siège. Et le comité donc, a déposé le 28 janvier dernier une demande de procédure nouvelle d'atténuation de bruit à Transport Canada selon le circulaire d'information 302-02. Donc, et même à la dernière séance, le conseil de ville a adopté une résolution pour demander, pour presser, dans le fond, Transport Canada de mettre en application ces mesures d'atténuation. Il faut comprendre que les mesures ont été déterminées d'un commun accord avec l'ensemble des partenaires qui siègent justement sur le comité de gestion de climat sonore, qui inclut les cadets, l'association des pilotes, la ville, évidemment, etc. Donc, voilà pour ce qui est votre question, M. Fauché. Une autre question reçue le 21 juin, qui était destinée à la dernière séance du Conseil. Nathalie Chouinard, donc, bonjour. Maintenant qu'il a été démontré dans le Journal de Montréal du 5 juin que le chemin de la Grande Ligne était la pire route du Québec, selon le CAA, allez-vous réviser votre décision au sujet de la collaboration pour payer la portion de 50 %
demandée par la ville de Carignan pour la réfection de cette route, en considérant que Saint-Jean-sur-Richelieu est la principale utilisateur et que c'est surtout les poids lourds pour ces nouvelles constructions qui abîment de plus en plus. En tant que résident du secteur 12, nous avons droit aux services qui assurent notre sécurité. Notre pétition a ramassé plus de 1000 noms en une semaine. Pensez-y, ce n'est pas tellement cher payé pour la sécurité de milliers de citoyens. J'espère que vous avez entendu raison et révisé votre décision depuis. Malheureusement, Mme Chouinard, la révision n'a pas été révisée, mais soyez assurés, aussitôt que l'équipe Alain Laplante sera majoritaire, cette décision sera révisée. Le 22 juin dernier, M. Pierre Boudreau nous posait la question suivante. Récemment, sans même avoir consulté ni même avisé les citoyens, la Ville a octroyé un contrat pour l'aménagement d'un trottoir sur la rue de Léry. À la suite du mécontentement des citoyens, avec raison, la Ville a annulé ses travaux à la dernière minute. Pouvons-nous, s'il vous plaît, savoir combien l'annulation de ce contrat a coûté à la Ville? Monsieur Boudreau, je n'ai même pas la réponse précise à votre question. Ce soir, le Conseil de Ville a adopté une résolution pour venir, non pas faire un trottoir, mais pour venir interdire le stationnement sur le côté sud de la rue de Léry. Donc, on a adopté une résolution pour changer la signalisation. Donc, interdire le stationnement et aménager une piste cyclable sur un côté de la rue. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'on n'a pas on est toujours en négociation avec l'entrepreneur qui devait faire les travaux du trottoir. Et on me dit que c'est la même entreprise qui devait faire le trottoir qui va changer les panneaux de signalisation et qui va faire les marquages au sol. Donc, j'ai trouvé ça un peu surprenant, mais on va. C'est clair que la nature des travaux n'a pas du tout d'être du même gabarit. Donc, il y aura certainement une négociation à faire avec l'entrepreneur. On va vous revenir avec le détail lorsque nous l'aurons. Le 22 juin dernier, M. Danny Côté nous a posé une question. Malheureusement, M. Côté, votre question ne respecte pas notre règlement de régie interne, le règlement 1699. Donc, on ne lira pas votre question. Le 22 juin dernier, Alain Lavoie nous posait la question suivante. Bonjour, M. Laplante. Sur la page LinkedIn de votre ancien chef de cabinet, Guy Grenier, il est indiqué qu'il est toujours à l'emploi de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et ça depuis 3 ans et 8 mois. Considérant ses poursuites contre la ville qui ont débuté lors de son congédiement en 2018, est-il vrai qu'il est toujours à l'emploi de la ville malgré les circonstances de poursuite? Merci. Monsieur Lavoie, évidemment, comme le dossier est devant les tribunaux à ce jour, nous allons nous abstenir de tout commentaire. 22 juin dernier, Monsieur François Blais nous posait la question suivante. Bonjour, membre du Conseil. Quel était le processus de consultation et de décision qui a mené à l'implantation d'un arrêt sur la rue Daniel, d'une obligation de tourner à droite sur le coin de la rue Daniel et France, ainsi qu'une barrière au centre de la voie de la circulation de France faisant face à la rue Daniel? Compte tenu que l'ensemble des véhicules devront passer sur la rue Masson et longer l'ensemble du parc France, de restreindre les places de stationnement en bordure de route pour les jeunes familles qui fréquentent le parc de la rue France, au lieu de s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire le trop grand nombre de véhicules sur le boulevard Saint-Luc en période de pointe et la fluidité de ces derniers sur la même artère. Monsieur Blais, donc voici la réponse. Il faut savoir qu'en matière de circulation, il y a des normes et des règles d'ingénierie qui s'appliquent au réseau routier, faisant en sorte que ce type de dossier ne fait pas nécessairement l'objet de consultation de la population lorsqu'il vient le temps d'apporter des modifications ou des corrections ou autres mesures. Dans ce dossier, une analyse de la situation et des relevés ont été effectués et des solutions ont été identifiées par le service de l'ingénierie. Nous avons donc proposé au conseil municipal un projet pilote pour mesurer les effets de divers éléments mis en place dans le quartier d'un projet pilote pour valider si le tout peut offrir une efficacité et à quel degré. Donc, juste pour ceux qui n'auraient pas compris la situation, c'est que comme il y a beaucoup de circulation sur le boulevard Saint-Luc à l'angle de Grand-Bernier, lorsqu'on se dirige vers Saint-Jean,
les gens qui veulent rentrer dans, qui veulent tourner sur Bernier, plutôt que d'attendre à la lumière, empruntaient la rue Daniel pour faire un shortcut, comme on dit, sur la rue Daniel, tournaient sur la rue France pour aller rejoindre la rue Bernier. Donc là, évidemment, ça créait beaucoup de circulation sur la rue Daniel. Donc de là, l'idée de mettre en place ce projet pilote-là. Cependant, ce soir, on a dû adopter ce soir une nouvelle modification à la signalisation parce que quand les gens arrivent sur la rue Daniel, on les oblige à tourner à droite sur France. Mais eux, ce qu'ils veulent, où ils veulent aller, c'est sur Bernier, de l'autre côté. Et donc là, on les envoie à droite et là, ils font un U-turn à la rue suivante. Et là, ce soir, on vient à installer un nouveau panneau pour dire pas de faire de U-turn à cet endroit-là. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller faire un U-turn à l'autre temps. À mon avis, ils vont aller faire un U-turn plus loin. Donc, je ne suis pas convaincu que le projet pilote fonctionne si bien. Il y a peut-être d'autres solutions. Donc, on va laisser les choses aller encore un certain temps, puis on devra peut-être réévaluer cette situation-là. La question suivante était la question de Bernard Kendall. Donc, on a répondu sur place. Ça, c'est des questions, excusez-moi, là, la question de M. Kendall, c'est une question pour aujourd'hui. Également, une question pour aujourd'hui reçue le 12 juillet, Diane Marcheseau. À la séance du conseil municipal du 22 juin 2021, nous avons été informés que la date du 28 juin a été retenue pour la médiation entre Carrière-Bernier et la Ville afin de trouver des solutions à l'entente du 22 décembre 2016 qui devait mettre fin à la nuisance inacceptable et récurrente du bruit provenant du club de tir aux pigeons d'argile et de tir à la cible au champ de tir de l'Acadie. Question numéro un, est-ce que cette rencontre a eu lieu? La réponse est oui. Si oui, question 2, est-ce que d'autres rencontres sont prévues? La réponse est oui. Question 3, si oui, est-ce que nous pouvons connaître les dates? Il y a seulement une date à connaître et c'est la date de demain, donc le 14 juillet. Question 14, une autre question de Diane Marcheseau. Considérant que plusieurs champs de tir au Québec sont source de nuisances par le bruit, considérant que le club La Bernache à Chepcha, ouvert depuis 1969, a choisi de déménager ses activités à la suite d'un avis de non-conformité, contamination au bruit, émis par le ministère de l'Environnement. Considérant que le centre de tir de Grimbé, en bon citoyen, désirant améliorer la cohabitation avec son voisinage, a pris la décision de mettre fin aux activités de tir au pigeon d'argile. Considérant qu'au champ de tir de l'Acadie, le nombre d'événements spéciaux qui peuvent durer de 1 à 4 jours a augmenté en 2021 par rapport aux années antérieures, est-ce que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a demandé la collaboration du ministère de l'Environnement, responsable de la contamination par le bruit provenant des champs de tir, et au bureau de contrôle des armes à feu et des explosifs, responsable de l'application des règlements qui encadrent la gestion des champs de tir, afin de cesser cette nuisance inacceptable et récurrente? On n'a pas eu de réponse, on n'a pas pu obtenir une réponse à votre question, donc on est en attente d'un suivi, Mme Marcheseau. Une question reçue le 12 juillet également de Mme Marcheseau. Donc, considérant que notre service de police ne dispose pas des outils nécessaires pour accomplir le travail au niveau du respect de la réglementation municipale du bruit provenant des activités des champs de tir, considérant que notre service de police intervient au niveau du bruit excessif qui provient des autos et des motos, ainsi que de certains parties bruyants, considérant que l'École de technologie supérieure, dans son guide sur la gestion des activités récréatives bruyantes pour aider les municipalités, nous informe que des cellulaires peuvent être utilisés comme sonomètres, considérant que le ministère de l'Environnement accepte les données par application cellulaire d'un sonomètre à titre indicatif afin de pouvoir intervenir officiellement, est-ce que notre service de police ou d'urbanisme peut collaborer avec le ministère de l'Environnement et lui fournir ces données comme tierce personne lorsque des citoyens signalent des plaintes comme le bruit excessif provenant de chantiers à l'Acadie? Madame Marcheseau, nous sommes également en attente d'un suivi de votre réponse. Et dernière question de Brigitte Létourneau, reçue le 12 juillet dernier. Concernant le protocole d'entente signé par la Ville et le club de tir de l'Acadie le 22 décembre 2016, peut-on connaître le nom ou les noms des auteurs de ce document? Donc, voici la réponse qu'on m'a transmise.
Les auteurs sont Maître Louis Hébert. Maître Louis Hébert, c'est l'avocat, l'ancien avocat de la municipalité. Maître Fadi Amine et Michel Larocque, ces deux avocats-là, c'est les avocats de Carrière Bernier. Et M. Robert Trahan, qui est un employé de Carrière Bernier, et Luc Castonguay, qui ont toutes les deux participé à l'ébauche de ce texte-là. Donc, tantôt, nous avions une question, on nous demandait d'où était l'origine de ce règlement-là, qui avait imaginé le système de compensation, la banque virtuelle de terrain. Donc là, j'apprends par cette réponse-là que Maître Laroche faisait partie des auteurs de l'entente. Donc, comme nous le rencontrons demain, bien, je m'engage à lui poser directement la question. Puis je vous reviendrai avec la réponse à l'autre question précédente. Parfait. Donc, ça conclut les questions, la période de questions des citoyens. Nous sommes rendus au point 20, période de questions et de communication des membres du conseil municipal au public. Madame Dufresne. Oui, alors, dans le rayon des bonnes nouvelles, on a voté une résolution pour l'aide de l'établissement d'un programme d'aide financier pour l'implantation des bureaux dans le Vieux-Saint-Jean. C'est une aide qui a rapport avec la relance. C'est les moyens financiers qu'on offre à des gens, des incitatifs, afin que les gens viennent installer leur bureau au centre-ville. C'est une excellente nouvelle parce que l'idée, c'est d'attirer des travailleurs au centre-ville. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a signé un protocole d'entente relatif à un partenariat à l'accès des terrains de golf de Saint-Jean dans le but d'offrir des activités hivernales. Je suis contente qu'on ait entendu l'appel. On en avait discuté au mois de novembre dernier, puis ça a d'ailleurs fait les manchettes dans le Canada français le fin novembre. Donc, je suis contente qu'on ait entendu mon appel en séance publique, puis qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir une entente avec un terrain de golf. Puis si c'est capable de se poursuivre avec d'autres terrains de golf pour avoir des activités hivernales, je trouve ça génial. Reporter le dossier de l'hôtel 54. Écoutez, on a eu, c'est un super beau projet, je m'en cache pas. On n'a pas changé les plans jusqu'à présent. On a reçu 11 courriels. On a eu des suggestions, des commentaires. Donc, c'était des courriels qui étaient constructifs. Je pense qu'il vaut la peine de prendre, ça vaut la peine de prendre le temps dans ce dossier-là. Il y a aussi une pétition qui a été déposée avec 77 signatures. Donc, je pense qu'il y a des enjeux de grandeur, mais il y a aussi les gens qui s'inquiètent pour les refoulements des goûts, le trafic, le stationnement et les vignettes de stationnement. Donc, on a intérêt à jaser avec les gens parce que, comme je vous ai dit tantôt, c'est un beau projet. Comment qu'on puisse l'améliorer pour notre milieu de vie. Moi, je préfère travailler comme ça. Puis d'ailleurs, les gens ne pensent pas construire avant l'année prochaine. Donc, il n'y a pas feu, il n'y a pas urgence dans la cabane, dans ce dossier-là. Donc, moi, je mets un bémol sur la semaine prochaine parce que si on est capable d'avoir un beau projet sans contestation, ça peut attendre un mois. Dernier point, ça m'amène à vous parler de Montréal, producteurs maraîchers et vignerons. C'est un article que j'ai lu dans Montréal économique que je trouve vraiment intéressant. La récolte s'est révélée particulièrement bonne l'été dernier. Donc ça, c'est les gens qui font des jardins sur les toits. Au centre-ville, ils ont pris le Palais des congrès pour récolter de la nourriture. Puis d'ailleurs, ils ont récolté 2,5 tonnes de tomates, d'aubergines, de poivrons, de piments. Puis c'est des producteurs, des produits frais directement du toit. Montréal est l'une des métropoles où l'agriculture urbaine serait la plus pratiquée, grâce notamment aux fermes Lufa, que j'imagine que vous connaissez aussi. Donc, je trouve vraiment l'initiative intéressante. La Chambre de commerce avait d'ailleurs fait une présentation auprès du comité industriel parlant justement des associations qui offrent ce type de service-là sur les immeubles des entreprises, entre autres. Donc, ça pourrait être un autre avenue qu'on pourrait explorer, mais moi, je trouve que l'idée, elle est merveilleuse. Puis, je veux aussi vous mentionner les corridors verts, comme Montréal, ils veulent verdir. Puis, il y a un projet en collaboration avec Hydro-Québec qui annonce un corridor de 27 km à Montréal qui relie différents parcs nature. Moi, je pense qu'à Saint-Jean, on a le potentiel de faire ça. On a le potentiel de faire un trajet qui relie les différents espaces verts qu'on a. Puis c'est une des raisons là, pourquoi je voulais inclure dans le dossier de la Pinède, je voulais regrouper tous les espaces verts parce que c'est ce type de connexion-là que j'aimerais pour notre ville. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci, Mme Dufresne. Monsieur Justin Bessette. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, j'aimerais déclarer avoir acheté le 31 Bouty et avoir fait un offre d'achat accepté sur le 670 Boisvert. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler, écoute, on a des investissements majeurs qui viennent du côté d'Iberville. On a travaillé fort dans les dernières années. Le parc Bleury, qui va accueillir un nouveau terrain de baseball midget. Pour compléter encore une fois, pour améliorer notre coin Bleury, on a eu plusieurs investissements dans les dernières années. On continue dans ce sens-là. Faut pas oublier aussi qu'on a travaillé en partenariat avec les Oursons pour s'occuper que le passage se fasse bien, que tout aille dans le bon sens. Le parc Bleury est rendu un très beau pôle récréo-touristique, même parce qu'on accueille des tournois. Puis on continue un peu dans ce sens-là. Dans un deuxième temps, j'aimerais parler aussi des terrains de golf, des partenariats qu'on a fait avec les terrains de golf. J'en avais parlé un petit peu au début. Je pense qu'il nous reste encore le fat bike qu'on peut amener, qu'on n'a pas, qu'on pourrait avoir l'hiver. La raquette, on peut continuer dans ce sens-là. Puis ça, c'est une belle façon d'éviter le développement partiel des terrains de golf, mais de conserver nos terrains de golf. Il ne faut pas oublier que le zonage des terrains de golf est récréatif. Fait qu'il faut lui donner un air récréatif avant de les développer. Je suis ouvert à toutes les idées aussi. S'il y en a qui ont des idées pour les terrains de golf, autant pour l'hiver que pour l'été, c'est important de les faire appartenir, soit à moi ou au reste du conseil. Ce n'est pas une idée qui vient directement d'un conseiller, mais qu'on les envoie au reste puis qu'on trouve des partenariats à faire au lieu de développer partiellement les terrains de golf. Il faut les conserver, il faut aller dans ce sens-là. Puis, c'est des espaces qu'on doit conserver. Je le répète, New York, Central Park, les plaines d'Abraham, Québec ont les plaines d'Abraham, bien, Saint-Jean doit avoir quand même son lot parce que tout ce qu'on va défricher dans les prochaines années, ça sera inévitablement pas remplaçable. On va se revirer par la suite pour aller dans les terres agricoles parce que c'est tout le temps ça qu'on fait. Chaque fois qu'on n'a plus d'espace, on va dans les terres agricoles parce que c'est facile puis on en a besoin. C'est beau parler, puis je trouve ça correct de parler de la nourriture puis de parler de tout ça, mais il faut éviter de défricher les terres parce que ça coûte beaucoup plus cher. On parle de 6, 7, 8, 10 fois plus cher cultiver sur une toiture que cultiver dans un plein champ. Fait que ça prouve que les terres agricoles, il faut les conserver. Puis il faut aller dans ce sens-là. Fait que on y va là-dedans. Sur ce, je vous souhaite aussi une bonne soirée, bonnes vacances de la construction. Puis nous, on se revoit mardi prochain pour être proche des entrepreneurs puis régler les dossiers rapidement. Merci beaucoup. Merci, M. Justin Bessette. M. Michel Gendron. Ah, bonsoir tout le monde. Simplement pour rappeler aux gens, particulièrement Saint-Athanase-Nord, qui restent en campagne, qui n'ont pas d'eau, pas d'égout, il y a un programme de subvention pour vous qui peut vous aider à établir le type de biomasse, par exemple, que vous avez besoin sur votre terrain. Donc, l'étude de ça pour savoir ce que vous avez besoin comme espace à propos de ça, c'est subventionné jusqu'à 700 $. Et ensuite de ça, bien, si ça vous coûte 20 000 $ faire un système Bionest, par exemple, ben on peut, nous, à la Ville, vous financer à un taux de moins de 2 % présentement. Et c'est sur 15 ans, c'est étalé sur votre compte de taxes. Donc, vous n'avez pas besoin de réhypothéquer pour refaire ça. Donc, je trouvais important de le mentionner ce soir parce que pour deux raisons. La première, c'est qu'il y en a plein qui connaissent pas le problème, qui ont un problème, mais ne connaissent pas la solution. Et dans un deuxième temps, pour tous ceux qui disaient « Ah, ben on va avoir de l'eau, on va avoir de l'eau, mais on veut aussi les égouts. » Alors, étant donné que les égouts vont énormément augmenter la facture, ben vous avez une très belle alternative là qui va vous permettre de pouvoir payer moins, mais avoir au moins un des services qui serait l'eau. Et tout ça, avec l'acceptation évidemment générale des gens par rapport à ce que ça peut coûter. Donc, ça peut se faire d'ici 2023-2024. Donc, sur ce, M. le maire, c'est terminé. Merci. Merci, M. Gendron. M. Jean-Fontaine? Oui, M. le maire, je n'ai pas vraiment de commentaires ce soir. Ceux qui sont en vacances, je leur souhaite de bonnes vacances. Et puis, voilà, je n'ai pas de commentaires ce soir. Bonne soirée. Merci, M. Fontaine. M. François Auger? Oui, juste un point, M. le maire. Depuis quelques années, une grande partie du quartier Saint-Lucien est en proie à des pannes électriques fréquentes. Depuis, je dirais, les deux dernières années, et encore plus la dernière année, les derniers 12 mois, des pannes de longue durée, donc des pannes de 7, 10, 12 heures. La dernière étant vendredi dernier, donc 12 heures de panne. À l'initiative d'un citoyen de mon quartier, puis avec son aide, vraiment, je suis entré en contact avec Hydro-Québec
et une conseillère nous a été attitrée pour monter un dossier et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce service-là. Donc, j'ai commencé déjà là, avec des adresses, etc., à monter le dossier avec elle. Donc, j'inviterai la population, là, les gens vraiment du quartier qui ils savent, là, ceux qui manquent d'électricité souvent, là, de m'envoyer leurs commentaires, mais seulement les cas particuliers. Je vais vous donner un exemple parce que je ne veux pas avoir, là, j'ai perdu le contenu de mon congélateur et de mon frigidaire, là, ça, j'en ai plein d'adresses. Mais ceux qui ont des cas particuliers, par exemple, j'ai une dame qui, elle, se déplace en fauteuil roulant électrique. Et naturellement, ben, quand il y a une panne de 10 heures le soir à 11 heures le matin, ben, elle n'a pas pu recharger les piles de son fauteuil, ce qui fait qu'elle a perdu sa journée au complet. Donc, ça, c'est des cas vraiment particuliers. J'aimerais que les gens puissent m'informer de ces cas particuliers-là pour qu'on puisse les monter un peu dans le dossier et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je les invite à le faire à mon adresse courriel de la ville, donc f.og@commercialsjsr.ca. Ou encore, me laisser un message sur mon téléphone cellulaire au 514-432-3951. Alors, sur ce, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis, on se revoit au mois d'août. Merci beaucoup. Merci, M. Auger. Mme Poisson. Oui, M. le maire, je voudrais juste vous rassurer que les citoyens de la rue Léry avaient été consultés pour avoir un corridor scolaire en avant de leur rue du côté sud. Et les résidents, c'est moi-même qui est allé les rencontrer, et ils avaient refusé le corridor scolaire. Ils voulaient avoir un trottoir plus tôt. Quand on est venu pour installer le trottoir, qui était probablement 3 ou 4 ans le plus tard, parce qu'on est allé chercher une subvention du ministère pour que le trottoir soit à coût zéro. Alors, à ce moment-là, quand on est venu pour installer le trottoir, les résidents, bien là, ils ne voulaient plus de trottoir. Alors, j'ai refait toutes les maisons de la rue Léry pour aller rencontrer chacun des citoyens et leur expliquer ce qu'il en était. Il faut comprendre aussi qu'avec le délai, il y avait des gens qui avaient déménagé. Alors, les nouveaux résidents, eux, bien, ils écopaient, si on veut, de la réponse que l'ancien propriétaire avait décidée. Alors, c'est pour ça qu'on est allé les rencontrer. Et suite à ça, puis je veux remercier même le très bon travail de M. Dubois et M. Fortin. On a arrêté les travaux pour pas que ça se fasse, pour que justement les citoyens soient consultés et qu'on respecte leur choix. Parce que si un trottoir ou si un corridor scolaire, c'est eux qui vivent avec. Alors, je pense que c'est important d'aller les voir, les consulter, puis de prendre leur opinion en cause. L'autre point que je voulais parler, je crois que le conseil de ville, au niveau de la disposition relative justement à la superficie des espaces verts, je crois que c'est un règlement que nous devons revoir, M. le maire, parce que 25 % sur des entrepreneurs ici à Saint-Jean, pas tous, il y a des entreprises que le 25 % c'est facile à faire. Si on regarde des entreprises où on parle de transport, quand on parle d'automobile, où on parle de produits qui sont vraiment gros pour des cours qui doivent entreposer, c'est illogique de demander un 25 % à ces entreprises-là. Et moi, ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que l'entrepreneur, s'il veut juste agrandir son entreprise, bien là, le 25 % il faut qu'il embarque. Alors là, c'est illogique, ça veut dire qu'on empêche nos entreprises en ce moment, certaines entreprises, d'agrandir, parce qu'on doit respecter le 25 % de verdure. Alors, je crois qu'on doit vraiment revoir ce règlement-là, Monsieur le maire. Je finirai avec un petit point. Habituellement, je le fais d'avance, mais là, je suis un petit peu en retard, mais les piscines, les noyades, citoyens de Saint-Jean, faites attention. Puis, on est là à la Ville de Saint-Jean. Vous pouvez vous présenter à l'urbaniste. On va vous donner un document pour rendre votre emplacement sécuritaire. Alors, les barrières, les hauteurs, les grandeurs, tout ce que ça peut comporter. Alors, c'est à votre disponibilité. Servez-vous-en. On a des beaux enfants. On les veut vivants. Et je souhaite à tous des bonnes vacances de la construction. Profitez-en. Amusez-vous bien. Soyez prudents. Merci. Bon retour. Merci, Mme Poisson. Madame Marcoux? Oui, juste un petit point, Monsieur le maire, puis c'est une publicité. Cette année, à l'Acadie, il n'y aura pas de fête patrimoniale à cause de la COVID. Mais par contre, nos fantômes de l'Acadie reviennent. C'est une activité qu'on avait faite il y a quelques années, puis que les gens avaient bien appréciée. C'est du théâtre de rue, c'est avec les comédiens du théâtre du Bahut.
Les fantômes apparaissent dans le cœur du noyau patrimonial à différents endroits et racontent leur histoire. Ce sont des personnages qui ont existé à l'Acadie. Puis leur histoire est véridique ou presque. On a un petit peu brodé, là, mais pas beaucoup. À peine. Ça va se tenir le 6, 7 et 8 août à 20h. Le départ se fait à l'église. Naturellement, il faut réserver à cause des places là, qui sont limitées. Pour réserver, vous appelez au presbytère au 450-357-2378. Puis c'est gratuit. C'est une activité qui est gratuite. Fait que normalement, il y a beaucoup de gens qui viennent voir ça. C'est très agréable. Ça se fait avec une lanterne et on se promène dans le village. Les fantômes apparaissent puis racontent leur histoire. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci, Mme Marcoux. Monsieur Marcoux, ça va? Oui, merci, M. le maire. J'ai un point, deux points à dire. Le premier point, évidemment, sur le projet pilote de la rue France, qu'on a apporté certaines modifications sur la rue locale. Surtout au propos que vous faites part, ou même M. Blais a mentionné lors de ses questions. Il faut bien comprendre la problématique du secteur. La rue France était pas rue France, pardon, la rue Daniel est un petit tronçon de rue dont il habite 16 citoyens. Cette rue-là est entre le boulevard Saint-Luc. Il passe actuellement par jour 18 000 véhicules. On va rejoindre la rue France. Donc, on comprend que le principe du chemin de contournement, le shortcut qu'on appelle, est applicable dans ce cas-là. Fait qu'on y parle actuellement, généralement, de 2 000 véhicules par jour qui circulent dans une petite rue locale dont il y a 16 résidents, qui est au bout de la rue de France, au bout de la rue Daniel, a un parc, sans aucune sécurité ni traverse piétonnière. Le but, l'idée du projet pilote, c'était justement d'effectuer une différence, mettons, sur les habitudes des citoyens, des gens qui y passent, parce que majoritairement, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas affaire dans le quartier local de Saint-Luc. Donc, ce n'est pas de la circulation locale-locale, je vais vous dire ça comme ça. C'est des gens qui utilisent pour reprendre un raccourci pour aller reprendre Bernier. Donc, l'idée du concept du projet pilote, c'est de diminuer cet aspect d'achalandage-là qui n'est pas de circulation locale, puis en même temps, d'aller apporter une sécurité supplémentaire au parc de la rue France en y installant une traverse piétonnière, du moins, suite à l'idée du projet pilote. On connaît très bien la problématique. C'est vrai qu'il faut prendre les problèmes par la source. La problématique devient du boulevard Saint-Luc, mais le boulevard Saint-Luc est un artère provincial. Donc, nous, on a juridiction sur nos rues municipales. Fait que donc, quand on apporte des actions comme ça, on s'attend possiblement qu'il va y avoir des controverses. On en a un exemple, mais dans le projet, c'est ce qu'on est en train de traiter avec les citoyens du pourtour de cette zone-là, c'est qu'on va effectuer tranquillement des modifications. Ça va être évolutif, ça veut dire, comme qu'on a adopté tantôt l'interdiction de tourner en U sur la rue France, parce qu'il y a 29 à 30 véhicules par jour qui faisaient cette circulation-là qui est insécuritaire vis-à-vis un parc. Donc, c'est d'établir tranquillement, pas vite, des améliorations pour dépersuader, si on veut, les citoyens, les gens qui utilisent ce secteur-là pour un shortcut, excusez l'anglicisme. Donc, c'est la précision que je tenais à vous faire part, M. le maire, pour le dossier de la rue France. Autre dossier que vous avez bien entendu, évidemment, le dossier de M. Poirier, le projet du 371 boulevard Saint-Luc. Vous voyez qu'actuellement, c'est toujours une situation de controverse quand on présente des projets, parce qu'évidemment, il faut s'entendre qu'il y a des inconvénients, les gens quittent, si on veut, ils risquent de perdre leur qualité de vie. Mais le point que je veux en venir, c'est que quand on parle d'acceptabilité sociale, puis quand on présente, si on veut, des projets à des citoyens, qui eux autres ont leur secteur à cœur, donc il faut écouter leurs préoccupations. Dans ce dossier-là, nous avons procédé à deux étapes de processus de consultation avec les citoyens. Une première consultation avec une modification de la quantité d'identification de 500 portes à 309 portes. Maintenant, on arrive avec une autre problématique, parce qu'une problématique, quand on défriche quelque chose, on s'entend que les citoyens se réveillent eux autres aussi. Ou est-ce que je ne suis pas d'accord avec le propos de M. Laplante en disant que il faut s'arrêter de les écouter parce qu'il y a des roches quelque part, ou c'est ces mots-là qui sont injustes envers la qualité de mes citoyens. C'est le contraire. Les citoyens ont jusqu'à le dernier moment pour pouvoir présenter leur inquiétude puis de dialoguer avec le conseiller de l'endroit pour justement essayer de faire une acceptabilité sociale. C'est à partir de là qu'on chemine puis on arrive avec des projets qui vont possiblement être réalisables pour ces raisons-là. Donc, si vous imaginez qu'on ne fait pas, on ne soit pas cohérent
dans le processus municipal. Majoritairement, tout le monde prend pour des consultations publiques, mais ils ne sont pas écoutés. Imaginez-vous le futur. Personne ne va se donner la peine de venir donner, échanger, donner de l'information pour améliorer les projets. Donc, il faut en venir à dire un consortium puis pour consolider les préoccupations des citoyens, que ce soit n'importe quel projet. Il y a des projets futurs qui s'en viennent. On parle du dossier de l'aéroport. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont prendre le dossier de l'aéroport avec une consultation publique, puis ils ne seront pas respectés l'écoute du citoyen? Donc, ça ne sert à rien de faire de consultation. Fait que mon point, c'est de dire, prenons le projet, analysons-le avec la participation des citoyens, puis arrivons avec une acceptabilité sociale. C'est à partir de cette façon-là qu'on peut travailler avec le citoyen qui est concerné. Donc, c'est pour tout l'ensemble des projets qui sont à venir, ou possiblement qu'il va en rester plus que d'autres d'ailleurs, là, mais il reste que le fond, on doit être repris, analysé différemment. Prenons la chance de travailler. Rapidement, monsieur, ça va? Oui, merci. Prenons le temps de travailler avec le citoyen. On arrive avec des solutions gagnantes pour tous les partis, autant pour le promoteur, la ville et le citoyen. C'est la perception que j'ai quand on a des dossiers qui sont de majeurs, des dossiers importants de cette forme-là. Donc, le seul point, évidemment, bien, c'est les vacances pour certains d'entre vous. Je vous souhaite tous des belles vacances d'été. Profitez de l'occasion. Souhaitons qu'il fasse beau. Puis, évidemment, si vous avez à vous déplacer, soyons sécuritaires sur nos routes. Des accidents, c'est déplaisant. Alors, c'est tout. Je vous souhaite bonnes vacances pour ceux qui y sont. Merci. Merci, M. Savard. M. Yvan Berthelot. Merci, M. le maire. Alors, deux petits points. L'an passé, à pareille date, on mettait en place l'Oasis au centre-ville en souhaitant aux gens, l'équipe municipale voulait semer du bonheur, demander aux gens qui étaient en déconfinement de s'accaparer leur centre-ville et d'y vivre. Et on se rend compte que c'est un succès monstre. On le voit cette année, l'achalandage est extrêmement important au centre-ville. Je pense que ça fait des années qu'on veut susciter cet achalandage et ça fonctionne très, très bien. Deuxième point, M. le maire, je ne sais pas si peut-être que M. Dubois peut répondre à ça. Est-ce qu'on peut réglementer la vitesse sur la rivière Richelieu? Il y a beaucoup de gens, entre autres, puis j'ai rencontré des gens en fin de semaine de Saint-Eugène, ça, puis les gens se plaignent des cigar boats, puis des moteurs très bruyants à toute heure et qui ne respectent pas les bandes riveraines et qui passent à une vitesse très, très grande. Alors, je ne sais pas si on peut ou s'entendre, je ne sais pas qui a la réglementation là-dessus, mais je pense qu'effectivement, on voit ça à certains endroits, il y a des panneaux de vitesse comme sur les routes. Et je pense que la surveillance policière devrait être accrue sur la rivière. On n'a pas de mauvaises nouvelles encore, mais quand je regarde ce qui se passe, il y a quoi être inquiété au niveau du non-respect des règles de sécurité. Les gens ne portent pas les ceintures de sécurité. Les gens consomment beaucoup d'alcool. Les gens vont vite sur la rivière. Alors, je pense qu'il faudrait prendre des actions rapidement pour ne pas avoir de mauvaises nouvelles, parce qu'on le sait qu'au Québec, l'été, souvent, on a de mauvaises nouvelles par rapport, justement, aux noyades. Dernier point, mais écoutez, bonnes vacances à tout le monde. Profitez-en. J'espère que vous allez avoir de la place si vous voulez sortir de la maison, parce que les réservations un peu partout au Québec sont assez remplies. Alors, je vous souhaite d'en profiter. Vraiment, passez de très bonnes vacances. Reposez-vous. Prenez du bon temps. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Berthelot. Mme Claire Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. Juste quelques petits points. Je veux juste revenir sur les nouvelles normes écologiques que Mme Poisson a parlé. M. Dubois, est-ce qu'on peut regarder les nouvelles normes pour les entreprises déjà établies à Saint-Jean? Parce que si moi, je me suis fait dire que présentement, il n'y a aucune entreprise à Saint-Jean qui peut s'agrandir à cause des nouvelles normes écologiques de 20 ou 25 %. J'aimerais ça qu'on regarde ça très, très rapidement, parce que je ne voudrais pas qu'on perde des grosses entreprises de Saint-Jean qui sont établies ici depuis tout le temps, plusieurs générations. J'aimerais pas qu'on les perde. Deuxième point, comme Mme Dufresne l'a dit, l'entente avec le club de golf de Saint-Jean pour les activités hivernales, c'est une très bonne nouvelle pour tous les citoyens de Saint-Jean. Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a déjà eu du ski de fond au terrain de golf, de ce que je me souviens, là. Donc, c'est une très bonne nouvelle qu'on puisse
refaire des activités hivernales sur le club, au club de golf de Saint-Jean. J'aimerais aussi dire une bonne nouvelle concernant la plantation de 450 arbres par Covabar sur le site de conservation de Corette-Gosselin. C'est une excellente nouvelle pour l'environnement, puis je pense qu'on est dans une bonne voie d'essayer de planter des arbres le plus possible pour l'environnement. Ensuite aussi, il y a eu des belles nouvelles concernant des beaux investissements. Enfin, on peut réussir à faire des beaux développements à Saint-Jean. On a 94 logements à Iberville, on a 50 logements à Saint-Pierre et Saint-Georges, le 56 logements, si on peut s'entendre avec les promoteurs et les citoyens pour le coin de la rue Richelieu, 22e régiment, qui fait à peu près 200 logements, plus le projet de M. Poirier, qui est environ 300 maisons et logements aussi, qui nous fait un 500 logements. C'est une très bonne nouvelle. J'aimerais juste comprendre que pourquoi, dernièrement, on a des projets d'investissement qui sont sur les rails. Depuis 3 ans et demi, je ne comprends pas, il y a des gens qui bloquaient les projets. Est-ce que, M. le maire, est-ce que vous avez changé votre fusil d'épaule? Parce qu'il y a des gens qui faisaient du porte-à-porte pour bloquer les projets d'investissement. Le dernier exemple, c'était l'église Saint-Gérard. Si je ne me trompe pas, M. Berthelot, vous avez travaillé pour que le projet se fasse. J'ai de la misère à comprendre pourquoi que tout d'un coup, est-ce que c'est à cause de la campagne électorale ou c'est que vous avez décidé de changer votre fusil d'épaule? J'espère que après les élections, les développements vont continuer à se faire à Saint-Jean avec des investissements et des développements responsables. Merci, bonnes vacances et bonne soirée. Merci, Mme Claire Charbonneau. Marilyn Charbonneau? Oui, bien, on a une excellente question. En fait, là, on nous demande comment ça, soudainement, des projets d'investissement arrivent à Saint-Jean, puis on nous demande si on a décidé de débloquer les projets, si on a décidé de changer notre fusil d'épaule. Alors, bien, moi, je suis contente de l'entendre, cette question-là, parce qu'en fait, peut-être que Mme Charbonneau, avec son équipe qui détient la majorité, pourra nous dire pourquoi ça débloque maintenant. Parce que c'est des projets qu'on pousse depuis très longtemps. Il y en a plusieurs comme ça, puis on continue même à vouloir les bonifier. Fait que c'est une excellente question. Fait que, d'ailleurs, j'imagine que si il y avait la majorité de l'équipe Alain Laplante, ben, ces projets-là se seraient réalisés en début de mandat et non à la fin. Alors, pour faire une parenthèse, je voulais juste souligner que dans mon district, on a fait la rénovation de 2 terrains de tennis, alors au Parc des Poètes et au Parc Gérard Morin. Maintenant, ils sont ouverts au public, sont très fonctionnels, sont magnifiques. Alors, on peut profiter de la saison estivale pour reprendre les activités sportives dans le district 12. On a reçu une lettre du MTQ, tantôt M. le greffier en faisait mention, concernant une résolution ou la demande aussi de revoir certaines règles par rapport à l'expropriation. On se rappellera qu'on avait fait une résolution pour justement demander qu'on puisse acquérir les terrains à la juste valeur marchande, entre autres. Et le MTQ nous répond, le monsieur le ministre nous répond en disant qu'il y a des réunions qui se font présentement, il y a un groupe de travail et que probablement qu'on va être mis au fait prochainement de certaines propositions, ce qui est une excellente nouvelle. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'en parler dans le cadre d'un panel où j'ai participé pour la grande conversation nationale sur la stratégie d'aménagement et d'urbanisme pour le Québec. Et c'est des choses que j'ai mentionnées, justement, l'iniquité territoriale, un des espaces verts, mais aussi les outils qui nous manquent pour justement répondre à des enjeux de santé publique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et quand je pense justement à des projets comme le boisé de la Pinède, c'est des excellentes nouvelles qui s'en viennent et le comité, justement, continue. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir des bonnes nouvelles aussi prochainement à ce niveau-là.
puisqu'il y a bien longtemps qu'on aurait donné des bonnes nouvelles. Alors, si le dossier pouvait débloquer aussi juste avant les élections, ça serait parfait. Et voilà. Alors, sur ce, moi, je voudrais vous souhaiter d'excellentes vacances. Et je veux rappeler, c'est vrai, le MTQ, chemin de la grande ligne, intersection Jean Talon, grande ligne, il y a une rencontre qui devait avoir lieu ou qui a eu lieu avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Carignan et le MTQ. Je suis toujours en attente du résultat ou de la date. Alors, dès que je vais avoir un peu plus d'informations, je pourrai vous tenir au courant. Puis sinon, mais je vous souhaite à tous d'excellentes vacances estivales. Profitez-en bien. Puis je vous souhaite justement de renouer avec certains plaisirs familiaux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Marilyn. À mon tour, j'aimerais ce soir porter votre attention sur plusieurs bonnes nouvelles, plusieurs bonnes décisions prises par le Conseil ce soir et récemment, des bonnes nouvelles reçues également. Ce soir, le Conseil de ville a voté la signature d'une entente avec le club de golf Saint-Jean, qui est situé à Saint-Eugène, pour permettre la tenue d'activités hivernales. Moi, c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Moi-même, la première fois que j'ai fait du ski de fond dans ma vie, c'était au club de golf de Saint-Jean, où il y avait un circuit qui était aménagé. Donc, cette entente-là, où la ville va donner une entente financière, la ville va contribuer financièrement auprès du club de golf pour permettre l'aménagement, la tenue d'activités hivernales. Donc, pour les bénéfices, évidemment, des citoyens de Saint-Eugène, mais aussi tous les citoyens de la municipalité vont pouvoir y aller. Et j'aimerais aussi lancer le message aux autres propriétaires de terrains de golf, parce que ce genre d'entente-là pourrait également être prise avec d'autres terrains de golf. Donc, j'invite les clubs de golf qui seraient intéressés à travailler en collaboration avec la ville, de nous approcher, et puis on pourrait voir, pour le bénéfice de nos citoyens, évidemment, de pouvoir peut-être faire de ce genre d'entente-là dans d'autres terrains de golf. La dernière séance, le conseil municipal a voté une résolution pressant le gouvernement du Québec, pressant le conseil du Trésor de signer le transfert de la maison Boutier. Bonne nouvelle, cette signature-là, nous l'avons obtenue. J'aimerais remercier publiquement notre député, M. Louis Lemieux, pour son intervention. Je sais qu'il a travaillé fort dans ce dossier-là. Le dossier va pouvoir enfin voir le jour. Deux excellentes nouvelles que nous avons reçues la semaine passée ou très récemment, des subventions importantes que la municipalité va pouvoir bénéficier. Premièrement, nous avons appris que la ville va obtenir, dans le cadre du programme de la TEC, donc la taxe sur l'essence Québec-Canada, un montant de 10 885 394, donc tout près là, de 11 millions de dollars supplémentaires que nous n'avions pas calculé. Nous n'avions pas déjà prévu cette subvention-là. Donc, c'est près de 11 millions supplémentaires qui devront être dépensés dans les années 2022-2023. Donc, c'est la nouvelle argent qui s'ajoute. Et également une subvention dans le cadre de la relance des centres-villes de 950 000 $. Donc, c'est tout près là, de 12 millions que nous avons obtenus la semaine passée. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les contribuables et la ville en général. Et ce soir aussi, je porte votre attention sur quatre projets d'investissement majeurs qui ont été adoptés ce soir. Il y en a eu plus que quatre, là, mais je tire votre attention sur quatre projets d'investissement majeurs qui voient le jour ce soir grâce aux décisions du Conseil. Premièrement, le projet de la terre à boucher, le projet de Luc Poirier là, à Saint-Luc, qu'on lui donne le go ce soir. Évidemment, les citoyens ont encore leur mot à dire, mais on vient de franchir une nouvelle étape. Il y a le projet qu'on n'a pas tout à fait adopté ce soir, mais qu'on va adopter ou on va du moins en discuter la semaine prochaine lors d'une séance extraordinaire. Le projet de l'hôtel 54, là, tout près à l'angle de la rue du Royal 22e et de la rue Richelieu. Un projet, comme je vous dis, de toute beauté, un projet majestueux. Il y a également un projet au coin de la rue, sur les rues Saint-Georges et Saint-Pierre. Il y a aussi un projet majeur sur le boulevard d'Ouberville. Donc, on parle de quatre projets où on ajoute à Saint-Jean-sur-Richelieu plusieurs centaines de portes. Et c'est des projets des projets de densification, finalement. Donc, des projets qui nous permettent où on ne vient pas
empiéter sur nos milieux naturels ou on ne vient pas empiéter sur nos terres agricoles. Donc, on souhaite évidemment poursuivre le développement de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on souhaite en même temps protéger notre territoire. Et ces projets-là sont des projets qui vont exactement dans cette direction-là. Et je suis bien heureux, moi aussi, que ces projets-là voient le jour et que les investisseurs s'intéressent à notre municipalité. Et nous vous assurons notre collaboration pour le futur, parce qu'il reste beaucoup à faire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il reste encore beaucoup de développement possible. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je prendrai une proposition pour... Pose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Appuyée par... Par Marie-Hélène Charbonneau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. À la semaine prochaine, mardi prochain, 18h30, séance extraordinaire.